Nous avons eu un cri du cœur d'un de nos clients qui nous a dit, mais quand est-ce que vous ferez un truc simple où on puisse comprendre Bitcoin et la blockchain depuis le départ? Parce que là, je ne comprends rien. Ça a l'air d'être passionnant, mais je ne comprends rien. Louis a dit qu'effectivement, il y a 24 mots. Il y a, en fait, pour être exact, effectivement, 2048 combinaisons. Hein. Donc, c'est un peu. Ouais, effectivement, ça vous entend 2000. Donc, 2048 combinaisons puissance 24. En mathématiques, ça veut dire beaucoup. Alors, maintenant, pour comprendre la suite, parce que si je dois vous expliquer comment ça fonctionne, je suis obligé d'apporter des mots techniques. Parce que l'objectif, c'est de comprendre la blockchain, pas juste savoir ce que c'est. On va utiliser deux recettes de cuisine. Alors, ce sont des outils cryptographiques. On va juste voir ce que ça fait. Vous allez vous rendre compte que c'est très simple. Voilà, mais écoutez, bonjour à tous, bienvenue dans notre webinaire La blockchain pour les nuls. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir Daniel Villa Montero. Daniel est le directeur pédagogique de Alira, qui est l'école blockchain. Voilà, on va faire les derniers petits réglages. Hop là. C'est celui-là que je veux afficher, je pense. Je vais démarrer le partage d'écran. Hop là. Alors, juste, j'ai le contrôle là-bas. On est au Ludilab en live. Et puis, on est ici. Alors, je vais démarrer ça. Voilà. Donc, normalement, vous devez voir l'écran d'accueil. Daniel, tu me confirmes ou pas que tu vois l'écran d'accueil? Oui, je le vois très bien. Merci, Ah, Louis. je vais maintenant me voir à l'écran aussi. Je vais aussi caler ça. Donc, je suis dans un merveilleux endroit qui s'appelle le Ludilab. On te voit Ouais. très bien aussi. Voilà. Donc, oui, j'ai un beau micro. Ça y est, on a dépassé les 50. Donc, on va commencer à 18h15. D'habitude, hein, en attendant, on échange quelques plaisanteries. Quelques présentations. Donc, je représenterai Daniel juste au moment où on va commencer. Voilà, super. Il y en a qui sont à l'heure. Il y a quand même des légendes urbaines. Parce qu'il y en a qui sont à l'heure et c'est vraiment une légende urbaine. Parce que je me dis qu'il y a des miracles ce soir. Oui, effectivement. On est Voilà, déjà à c'est lui. 55, hein, de notre côté, là, c'est bien. Ouais, c'est bien. Fait du Il y a bruit. déjà des mains levées. Non, c'est bon, quand même pas déjà. Alors, donc, sachez que vous pouvez communiquer par le chat. Vous pouvez aussi poser des questions. Je vais vous montrer ici. Vous pouvez poser des questions. Il y a un petit onglet questions si vous avez posé. Vous pouvez alors lever la main aussi. Certains peuvent lever la main. Voilà. Donc, Daniel a écrit dans le chat. Voilà. Donc, on va demander aux gens qui sont au Ludilab de venir nous rejoindre dans le silence. Merci à tous. Voilà. Donc, j'ai rencontré Daniel, non pas dans un lieu de perdition, mais en fait, avec Daniel, c'est une histoire assez étonnante parce qu'on ne s'est toujours pas rencontré IRL, in C'est real vrai. life. Un jour, je l'ai mis au défi de m'expliquer que j'allais apprendre quelque chose à Alira, dans la finance décentralisée. Je pense que je n'aurais pas dû le provoquer, Ah, puisque 3 mois surtout plus pas à tard, je... ceux-là. 3 mois plus tard, j'ai fait la formation en question, qui est voilà. Donc, il en parlera un petit peu plus. Donc, bah, écoutez, les gens s'installent, donc c'est voilà, une très bonne chose ici. Et puis, peu à peu, bah, les participants sont en train d'arriver. On a essayé de faire d'être innovant, c'est qu'on trouve qu'on est tellement, à distance. On s'est dit, il y a ceux qui voudront être en live. Vraiment nous voir et on est content parce qu'il y a des Vendéens qui aiment la blockchain et qui ont profité de l'occasion pour venir et puis il y a ceux qui ne peuvent pas venir parce que tout le monde ne peut pas habiter dans le superbe pays qui est la Vendée. Voilà, on le comprend, hein, on comprend. Mais en tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre parce que vous voyez ici, on est en plein milieu de la Silicon Vendée. Silicon Vendée, c'est le chaudron, hein, voilà, c'est un endroit assez exceptionnel. Il faut savoir qu'ici, on a 40% d'industrie et on n'a pas de chômage. On manque terriblement de main-d'œuvre. Voilà. Eh bien, bonsoir à tous. Il est 18h16. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce webinaire La blockchain pour les nuls. J'accueille Daniel Villa Montero, qui est le directeur pédagogique de Alira, l'école blockchain, la première école
blockchain en France. L'idée que nous avons eue tous les deux venait d'un webinaire que j'avais organisé pour mes clients avec Yorick de Mambine. Et nous avons eu un cri du cœur d'un de nos clients qui nous disait « Mais quand est-ce que vous ferez un truc simple où on puisse comprendre Bitcoin et la blockchain depuis le départ ?» Parce que là, je ne comprends rien. Ça a l'air d'être passionnant, mais je ne comprends rien. Du coup, j'ai proposé à Daniel de faire un support de cours pour intervenir sur le sujet. Voilà. Donc, c'est ce que l'on va dérouler ce soir avec Daniel. Daniel, je te laisse dire bonsoir et puis je fais une petite introduction. Bah, merci beaucoup, Louis, pour cette invitation. Et donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc voilà, on va relever ce défi de vous faire comprendre effectivement en quoi consiste Bitcoin et la blockchain. On se permettra quelques petites impasses, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des choses qu'on ne verra pas parce qu'il y a beaucoup de documentations qui sont faites, mais on va voir l'essentiel et à partir de là, bah, l'objectif, c'est que vous compreniez de quoi on parle. Voilà. Voilà, on a une petite question de réglage qui va peut-être, peut-être Lucas va me passer un petit, peut-être une petite aide là-dessus parce qu'on… Il y a un petit réglage à faire. En tout cas, très rapidement, j'espère que vous nous voyez. Ouais, juste qu'on puisse voir les. Ouais, comme ça, c'est très bien. Voilà, donc en fait, un petit CV. Moi-même, je fais de la gestion de patrimoine depuis une vingtaine d'années. Je m'intéresse à la finance depuis deux très nombreuses années, puisque ma mère m'a initié aux premiers OPA, j'avais 14 ans, vous voyez. Mais ce qui m'a intéressé, c'est plutôt la macroéconomie et la microéconomie. En fait, il fallait juste voir les intervenants. En fait, Lucas, juste c'était pour voir Daniel. En fait, j'anime une société où on est une petite dizaine de personnes et on a des bureaux à Paris, à Bordeaux et en Vendée. Voilà. Pourquoi on a… je laisse le petit… On aime bien la difficulté, c'est pour ça qu'on essaie de gérer aussi bien l'image ici que l'image pour vous. Donc, on pense qu'on va y arriver. Ça pourrait être la même, on pourrait avoir ici la même image que celle qu'on a en ligne. Voilà. C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Mais comme j'organise les choses, on va voir au mieux pour ça. Peut-être quand on va changer de présentation. Donc, aujourd'hui, on se rend compte, la plupart du temps, on a fait un petit sondage sur LinkedIn il y a quelques temps, c'était en septembre 2021, et en demandant pourquoi vous n'avez pas encore investi en crypto. 38% des personnes nous disaient « je n'y comprends rien ». 34% nous disaient « c'est du vent », c'est une autre manière de dire « je n'y comprends rien ». 16% ça pollue et 13% c'est trop cher. Alors, en septembre, c'était peut-être trop cher. Aujourd'hui, vous avez vu, il y a peut-être des corrections. Donc, on ne va pas s'occuper de cette partie-là. C'est plus accessible, n'hésitez pas à y aller. Ça pollue, ce n'est pas le sujet du soir. On pourra traiter ça lors d'un webinaire en vous expliquant comment Bitcoin est plutôt… Je ne vais pas dire bon pour l'environnement, mais en tout cas, est sensible à cette question-là et que l'électricité qui anime, par exemple, Bitcoin est une électricité majoritairement renouvelable. Mais on va s'intéresser à 72% des personnes qui ont répondu au sondage, c'est-à-dire c'est du vent et je n'y comprends rien. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Daniel. Je vais changer le partage d'écran. On va mettre Daniel comme présentateur. On espère que tout va bien marcher. Mais oui, il faut savoir. Voilà, et nous vous remercions. Je m'étais fixé l'idée d'avoir… Alors, ici, c'est là. Donc, je vais fermer. Alors, je vais changer l'écran. Désolé, Lucas, va venir me donner un petit coup de main. Daniel peut commencer. Voilà, Daniel, on va commencer par la présentation le temps que nous, on fasse le… D'accord. Du coup, est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que tout vous semble bien visible? Oui, sur le contrôle, c'est bon. Ouais, c'est bon. Voilà. Tu me dis, Louis, quand je peux commencer. Vas-y, démarre. Très bien. Eh ben, bonsoir à toutes et à celles qui viennent de rejoindre. Effectivement, notre préoccupation aujourd'hui, c'est de comprendre Bitcoin et surtout le reste. Donc, je me suis permis de rajouter un petit mot par rapport à la présentation qui avait été initialement faite. Parce que on a toujours très tendance à parler de Bitcoin, puisque c'est effectivement le cryptoactif qui a la plus grande capitalisation. On a tendance à oublier que ce Bitcoin et la technologie qui le maintient, qui est la blockchain, permet d'innombrables autres projets d'exister.
que nous allons voir ensemble. Et ces projets-là sont intéressants parce qu'ils permettent des applications qui sont beaucoup plus palpables et qui permettent parfois à des gens de réaliser en quoi consistent ces technologies-là et de toucher. On va se rendre compte très rapidement en fait que quand on touche des choses, quand on met les mains un peu dans le main dans le cambouis, si j'ose dire, ça devient beaucoup plus évident. Alors, on ne va pas faire un cours d'histoire. Alors, c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup, l'histoire. Je fais régulièrement des cours d'histoire du numérique. Et on ne va pas faire de cours d'histoire pour la bonne et simple raison que ça va nous prendre trop de temps et qu'on n'a pas l'occasion de le faire. Par contre, pour celles et ceux qui sont curieux, et j'espère que parmi vous, il y en a beaucoup, il y a un très bon documentaire qui a été fait sur l'histoire de Bitcoin qui s'appelle Le mystère de Satoshi aux origines du Bitcoin, qui a été publié sur Arte. De Rémi Forte, qui est quelqu'un que je connais, qui a énormément de talent, et qui a réussi à retracer une fiction sur l'histoire et l'origine du Bitcoin. Alors, pourquoi je dis une fiction? C'est parce que l'une des particularités de Bitcoin, c'est d'être un projet libre, mais d'être un projet libre dont les auteurs ne sont pas connus. Cela veut dire qu'en fait, la personne ou les personnes qui ont réalisé Bitcoin sont des informaticiens qui n'ont jamais relevé leur véritable identité, qui ont toujours été un nom d'emprunt, qui était Satoshi Nakamoto, et qui ne donnent plus de nouvelles de lui depuis très très longtemps. Donc il y a aussi cet aspect, on va dire, un peu mystique, si j'ose dire, dans l'origine du Bitcoin, qui fait que ça nourrit l'imaginaire d'innombrables personnes, notamment Rémi Forte, le réalisateur, et qui a proposé une histoire de l'origine du Bitcoin en se basant sur des faits réels, bien entendu, et quelques suppositions et quelques effets de drame. C'est sur Arte. C'est réellement quelque chose d'intéressant. Pour terminer, Daniel, sur cet aspect historique qu'on n'abordera pas et philosophique, je vous recommande Jacques Favier, qui vient de faire une très belle série sur les aspects philosophiques de Bitcoin notamment, avec quatre très belles vidéos de nos confrères de Grand Angle Crypto. Tout à fait. Jacques Favier, qui est un des cofondateurs du Cercle du Coin, donc l'une des premières organisations effectivement qui regroupait les premiers bitcoiners de France, qui font en plusieurs fois par an des repas du coin. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de lui d'en aller, mais je te conseille fortement de fréquenter un de ces repas parce que c'est une véritable rencontre avec des personnes vraiment inoubliables. Alors, maintenant, du coup, qu'on a vu qu'on n'allait pas faire un cours d'histoire, on va voir ce qu'on a au menu. On a 10 points au menu, donc c'est pour ça qu'on ne va pas pouvoir s'éterniser longuement sur chacun de ces points-là. On va parler effectivement de ce que c'est Bitcoin et la blockchain en général, puisque Bitcoin n'est qu'une blockchain la plus grande, la plus connue, mais une application de blockchain comme une autre. Et on va voir aussi deux éléments cryptographiques très importants qui vont vous faire comprendre vraiment pourquoi ça fonctionne. Parce que en fait, si je vous dis que c'est ça, vous allez vous dire c'est bien mignon ça, mais pourquoi j'aurais confiance en cela? Et je vais vous donner deux éléments très simples qui sont les fonctions de hachage et les clés et asymétriques, qui sont des thèmes de cryptographie. Hein, ça veut dire qu'on peut passer des heures et des heures à étudier. Par contre, en quelques minutes, on comprend ce que ça fait. Et une fois que vous avez compris ce que ça fait et que c'est utilisé dans plein d'autres applications, ben vous allez vous rendre compte que globalement, ce n'est pas très compliqué de comprendre comment fonctionne Bitcoin et la blockchain. On expliquera aussi les principes de maillon de chaîne, ça veut dire pourquoi on appelle ça une blockchain, pour comprendre. Et on va réaliser aussi que tout ceci a sa propre économie. Ça veut dire qu'au sein de la blockchain, il y a une économie interne à la blockchain qui l'a fait tourner, qui l'a fait se maintenir. Et qui a justement à un moment donné créé cette terminologie qui fait débat chez les économistes, qui est le principe de crypto-monnaie. C'est-à-dire pourquoi on parle de crypto-monnaie et on va se rendre compte que ce n'est pas seulement car certains des projets ont l'aspiration de vouloir proposer un concurrent à la monnaie traditionnelle, mais c'est aussi parce que dans l'économie au sein de la blockchain, on est sur un principe de crypto-monnaie. On parlera de la preuve d'enjeu et de la preuve de travail. Donc, ce sont les mécanismes de consensus, donc c'est les manières avec lesquelles les blockchains fonctionnent pour se mettre d'accord et donc pourquoi cette solution fait qu'on a confiance en elle. On pourra aborder du coup très rapidement la notion de pollution puisque c'est lié effectivement à la manière qu'on a de se mettre d'accord. La philosophie du libre, donc vous expliquerez effectivement pourquoi beaucoup de personnes sont attachées à cette technologie-là. Parce qu'il y a des véritables raisons philosophiques derrière et libre en majuscule, c'est pas sans raison. Et puis après, on va être un peu plus dans le cambouis, comme je vous ai dit tout à l'heure, en parlant un peu des smart contrats, donc de ces fameux contrats intelligents, la finance centralisée, qui est effectivement un des sujets de prédilection de Louis, si j'ose dire, et c'est cette fameuse vague qui arrive, qui est la vague des NFT.
Donc, ces fameux non-fungible tokens que vous pouvez, qu'on entend un peu partout maintenant, à droite et à gauche, de la part de Facebook, de la part d'Adidas, de la part de très grandes entreprises qui veulent s'y intéresser pour créer leurs propres produits. Et si vous pratiquez un peu les plateaux des grandes chaînes de télévision, il n'est pas impossible que vous soyez tombé sur un de ces, sur un des émissions parlant de ce sujet-là. Alors, Bitcoin et la blockchain, on va comprendre un peu en quoi consiste une blockchain. Une blockchain, c'est un registre informatique. C'est ni plus ni moins qu'un registre informatique. C'est un système informatique qui est censé simuler un registre, un papier, un bouquin, dans lequel on va écrire des choses auxquelles tout le monde y a accès, auxquelles tout le monde peut écrire, du moment qu'il respecte certaines règles. À partir du moment où on définit qu'une blockchain est un registre dans lequel on va écrire des choses, une espèce de base de données un peu particulière, on peut dire que ce registre peut être un registre comptable. C'est-à-dire qu'on va décider que dans ce papier, on ne va pas écrire n'importe quoi, on va écrire « Daniel a envoyé 2 bitcoins à Louis, machin a envoyé un bitcoin à Bidule » et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on va écrire des écritures comptables. Et à partir de ces écritures comptables, si on est d'accord qu'elles sont vérifiées, que ce sont les bonnes personnes qui les ont émises, qu'on a le droit d'envoyer de telle personne à telle personne par rapport au registre comptable qui a été et l'historique, et si on a ça, on a une monnaie. Puisque globalement, si on regarde effectivement comment se passent les transferts dans les banques, vous êtes dans l'argent fiduciaire, donc c'est de l'argent qui n'existe que dans des registres. Ce ne sont pas des petites pièces de monnaie qui traversent les fils électriques, on est sur des registres comptables. Cette particularité est très intéressante pour moi parce que l'une des premières applications de l'écriture était des formes de registres comptables dans l'alphabet cimérien pour compter les troupeaux, pour compter effectivement les récoltes d'orge dans les temples. Et donc, en fait, l'une des premières applications de l'écriture humaine était de dire qui devie à qui, combien à qui. Et la blockchain ne sert qu'à tenir ce fameux registre qui dit qui a envoyé combien d'argent à qui. C'est résilient parce que c'est décentralisé. Ça veut dire que la particularité de la blockchain, c'est que ce registre ne se trouve pas qu'à un seul endroit. Il se trouve à des centaines et des milliers, parfois même des millions d'endroits sur Terre. La copie intégrale, synchronisée par des mécanismes informatiques qui existent, qui fonctionnent très bien, qui s'appellent le peer-to-peer, et qui permettent effectivement à ces copies de se maintenir à jour entre elles. Résistant à la censure. Ouais. Je vais te laisser juste reprendre ta respiration. En fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que quand je vais aujourd'hui envoyer un mail sur Internet, j'envoie la copie d'un mail. Donc, en fait, j'ai l'original et la copie. Donc, j'ai ce qu'on appellerait, si j'envoyais un billet, une double dépense. Et le vrai sujet que va adresser ou le vrai problème auquel va s'adresser Bitcoin, c'est de dire, est-ce que je peux envoyer de la valeur à quelqu'un sans avoir cette double dépense? Alors, c'était possible. PayPal, par exemple, est un tiers de confiance qui permettait d'envoyer de A à B de l'argent. Mais il fallait un tiers de confiance qui était PayPal. Et là où Bitcoin va intervenir, il va adresser le problème et il va dire, voilà, je peux sans tiers de confiance envoyer de A à B un élément par le web et le tout sans avoir la double dépense. Vas-y. Parce qu'en fait, dans le registre comptable, quand vous allez dire, je vais envoyer un Bitcoin à Louis, et imaginons qu'il ne me restait plus qu'un Bitcoin, si j'écris la même ligne en disant que cette fois-ci, j'envoie un autre Bitcoin à quelqu'un d'autre, on verra tout de suite dans le registre que j'ai dépensé 2 fois ce Bitcoin et on ne l'autorisera pas. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'en fait, ce n'est pas un objet qui se promène, c'est un registre qui est maintenu à jour partout et donc on verrait tout de suite les fraudes. Quand vous avez un expert comptable qui va vérifier effectivement un registre comptable pour vérifier qu'il n'y a pas de fraude, il va voir effectivement que vous avez dépensé 2 fois une argent que vous n'avez pas. Résistant à la censure, parce que du coup, puisque c'est un peu partout sur Terre, puisque tous ceux qui vont faire tourner le protocole qui fait marcher ce logiciel avec cette copie du registre, si on veut arrêter ce système, il faudra arrêter tous ces ordinateurs partout sur Terre. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose d'évident. Auto-entretenu, car avec sa propre économie. Donc, on verra un peu plus tard en quoi consiste cette propre économie. Mais en gros, il n'y a pas une entreprise qui paye Bitcoin. Il n'y a pas une entreprise qui paye les serveurs. C'est une liberté, c'est une économie qui est complètement propre à lui et qui lui permet d'être auto-entretenu. Donc, faire en sorte que ceux qui l'utilisent payent pour son utilisation à celles et ceux qui le font tourner de manière complètement automatisée sans que vous ne voyez rien. Transparent car libre open source, ça veut dire que la manière avec laquelle il fonctionne, le code qui lui permet de le faire fonctionner est parfaitement auditable. C'est-à-dire qu'on peut le trouver, on voit, un informaticien peut lire comment ça fonctionne et voir qu'il n'y a aucun vice caché. C'est-à-dire que la manière avec laquelle il fonctionne est complètement prévisible.
Il n'y a pas de petite ligne cachée dans le contrat qu'on ne verrait pas. Et open source, c'est très important parce que ça veut dire aussi, d'un point de vue libre et open source, que n'importe qui peut prendre Bitcoin et en faire sa version à lui. Et on verra effectivement dans l'histoire de Bitcoin, il y a plusieurs petits cousins de Bitcoin, c'est-à-dire des choses qui fonctionnent similairement à Bitcoin. D'autres registres, c'est-à-dire quelqu'un a pris la manière de faire ce registre, la recette de cuisine pour faire ce registre et a fait son registre de son côté pour faire autre chose. Et d'un point de vue recherche et développement, c'est extrêmement important parce qu'on n'est pas obligé de réinventer la roue à chaque fois, on peut s'appuyer sur du travail informaticien fait à l'avance. Parfaitement authentifié par adresse. Ça veut dire que même si on n'est pas totalement nommé, ça veut dire dans le registre, il n'y a pas marqué Daniel a envoyé un Bitcoin à Louis, il y aura marqué telle adresse a envoyé un Bitcoin à telle autre adresse. Cela veut dire que ce n'est pas nominatif dans les blockchains, ce sont les adresses qui servent en fait de comme si c'était les RIB tout simplement, c'est-à-dire que ce ne sont pas des noms d'individus, ce sont des noms de RIB qui transfèrent, des noms de comptes bancaires qui transfèrent ces fameuses monnaies entre elles. Parfaitement décentralisé ne veut pas dire que c'est parfaitement distribué. C'est une confusion qu'on fait souvent, c'est-à-dire qu'au niveau des informaticiens, on dit voilà, il y a le cloud, ça veut dire qu'il y a plusieurs ordinateurs partout sur Terre, mais s'ils appartiennent à la même entreprise, c'est juste une question de sécurité. Là, la particularité décentralisée, c'est qu'il y a des centaines et des milliers de registres copiés partout sur Terre, mais ils n'appartiennent pas à la même personne. Ce qui veut dire qu'en fait, une entreprise ne possède pas une majorité de ces registres-là, et on verra que c'est très important par la suite. Donc maintenant qu'on a compris qu'en fait une blockchain, c'est juste un registre informatique, on va aller un peu plus loin. Voilà. Et alors juste, tant que tu changes ta diapo, par exemple, chez moi aujourd'hui, j'ai un nœud Bitcoin. Ça ne me rapporte rien, hein, ça me coûte un petit peu d'électricité, mais ça me donne deux choses. D'abord, je participe à la solidité de l'ensemble et ça me permettra aussi, par rapport à ce nœud Bitcoin, de pouvoir interagir directement par l'acquisition de Bitcoin, par exemple, ou un paiement en Bitcoin, sans passer par l'intermédiaire. Donc, j'ai cette double casquette d'utilisateur et d'acteur. Hein, c'est vraiment une notion où on va devenir, dans ce système financier, en même temps utilisateur et acteur du système financier. Et c'est extrêmement important parce que l'une des particularités de la blockchain, comme on le verra tout à l'heure, c'est de remplacer le tiers de confiance, dans le sens où, en fait, on est tous à la fois acteurs d'un côté et de l'autre. Voilà. Et donc, en fait, c'est des règles du jeu. Si nous, on respecte, il n'y a pas besoin d'une tierce personne pour participer, puisque en respectant les règles du jeu, on fait les deux rôles à la fois. Et donc, effectivement, Louis, quand il va envoyer une transaction, il va écrire dans sa version du registre comptable, voilà la transaction. Et elle sera donc diffusée partout, sur tous les autres réseaux, et on verra par la suite qui la valide et qui la double. Alors maintenant, pour comprendre la suite, parce que si je dois vous expliquer comment ça fonctionne, je suis obligé d'apporter des mots techniques, parce que l'objectif, c'est de comprendre la blockchain, pas juste savoir ce que c'est. On va utiliser deux recettes de cuisine. Alors, ce sont des outils cryptographiques. On va juste voir ce que ça fait. Vous allez vous rendre compte que c'est très simple. La première chose qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle le hachage. Alors, le principe du hachage est très simple. C'est une formule informatique qui va prendre une donnée. La donnée, ça peut être du texte, ça peut être une image, ça peut être une vidéo, ça peut être ce que vous voulez. Elle va la triturer d'une certaine manière pour qu'à la fin, ressorte ce qu'on appelle un condensat, une empreinte numérique, une suite de 0 et de 1 qui n'a pas de sens. Mais la particularité de cette suite de 0 et de 1, c'est que si partout sur Terre, on hache la même image, on obtient cette même suite de 0 et de 1. D'accord ? C'est-à-dire que c'est comme un tas de cendres. C'est-à-dire si vous brûlez partout sur Terre la même modèle de chaise IKEA, par exemple, ben vous allez avoir un tas de cendres identique parce que les chaises étaient identiques. Donc, le tas de cendres devrait être identique avec le même feu, bien sûr, et la même manière de brûler, si j'ose dire. Par contre, si vous voyez ce tas de cendres, il est impossible pour vous de savoir que vous avez brûlé une chaise. D'accord ? Ça veut dire que cette fonction de hachage va nous faire qu'on va transformer une donnée en quelque chose. Mais à partir de ce quelque chose, qui sera toujours le même si on brûle la même chose, il est impossible de deviner ce qui a été brûlé. Et donc, par exemple, ce qu'on a ici, ce sont deux textes. Il y a ceci est une donnée et ceci est une donnée. Ce sont des textes en rouge, d'accord ? Il y a un texte qui a un D minuscule ici, un texte qui a un D majuscule. Vous remarquez que le condensat, donc cette suite de chiffres et de lettres, qui est une représentation hexadécimale d'une suite de 0 et de 1, donc c'est une valeur informatique, pas besoin de savoir ce que c'est. Et bien, vous voyez qu'elle est complètement différente, alors que la variation ici est quasiment minime. Alors, pour voir un peu comment ça fonctionne, vous pouvez aller partout sur Internet. Vous avez des plateformes web qui vous expliquent comment fonctionne une suite de hachage. Par exemple, si j'écris ici « bonjour », vous voyez qu'ici, on écrit cette suite de hachage. Et si je mets par exemple un « bonjour » avec un point d'exclamation, et bien, l'écriture ici est différente. Et au fur et à mesure que je vais écrire n'importe quoi, vous voyez que cette suite-là est différente.
Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que si j'ai ceci, il est impossible pour un informaticien, même un hacker très expérimenté, de deviner ceci. Ça veut dire qu'on peut très facilement aller d'ici à ici, mais on ne sait pas aller dans le sens inverse, ce qu'on appelle une fonction à sens unique. D'accord ? Et en mathématiques, vous avez des tas de fonctions à sens unique. Vous savez faire la résolution dans un sens, mais pas dans l'autre. Donc voilà, ça, c'est ce que vous devez savoir. Et vous voyez qu'il y a des centaines, des dizaines en l'occurrence ici, de fonctions de hachage différentes. Et si j'ai mis sur SHA-256, c'est parce que c'est la fonction de hachage qui est utilisée pour la preuve de calcul de Bitcoin. Donc on verra plus tard par la suite en quoi ça consiste, la preuve de travail. Donc déjà, vous devez savoir ça. Ce n'est pas compliqué. Je prends une juste donnée. Juste pour vous donner une idée. Voilà. SHA-256, vous prenez un 2, vous mettez un exposant 256 et ça vous donne une idée de la probabilité, vous voyez, de tomber sur le même résultat. C'est-à-dire globalement, selon le type de loto, selon le type de loto auquel vous participez, tomber sur le même résultat de H deux fois de suite, c'est comme gagner 10 fois ou 13 fois de suite, de trouver les bons numéros au loto 10 à 13 fois de suite selon la loterie. Tout à fait. Donc, c'est hautement improbable. Tout à fait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est résistant aux collisions, comme le précise Louis. Ça veut dire que, si vous remarquez ici, c'est toujours la même taille de chiffres. Et bien, si je vous dis que c'est tous les chiffres de 0 à 9 et des lettres de A à F, puisque c'est le principe de l'hexadécimal, n'importe quel mathématicien d'entre vous vous dirait « Oui, mais Daniel, il y a un nombre limité de combinaisons possibles. » Et effectivement, il y a un nombre limité de combinaisons possibles qu'a souligné lui, qui est de 2 puissance 256. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. C'est des milliards de milliards de milliards de milliards. C'est vraiment une très, très grande valeur. Et donc, inévitablement, la possibilité que deux données différentes donnent cette même valeur est extrêmement peu probable. Et c'est très important qu'elle soit extrêmement peu probable, comme on le verra par la suite. La deuxième petite outil mathématique et cryptographique qu'on va voir ensemble, que vous utilisez tous les jours sans vous en rendre compte, ceci vous l'utilisez aussi tous les jours sans vous en rendre compte, c'est le principe des doubles clés. Ça veut dire que le principe de la clé simple, vous le connaissez très bien, vous avez une porte. La clé que vous avez utilisée pour ouvrir cette porte est la même que la clé que vous utilisez pour fermer la porte. Donc ce qu'on appelle les clés symétriques. On travaille tous les jours avec des clés symétriques, les clés pour vos portes, les clés pour vos coffres, les clés pour vos voitures, sont des clés symétriques. Ouvrir et fermer la voiture demandent la même clé. Eh bien, en fait, en mathématiques et en cryptographie, on a un autre concept qui existe qu'on appelle les clés asymétriques. C'est-à-dire que ce sont des clés particulières qui ont été créées en même temps l'une à partir de l'autre. Et ces deux clés sont frères, sont jumelles, mais sont différentes. Ça veut dire que si je ferme la porte avec la clé de gauche, je ne peux l'ouvrir qu'avec la clé de droite et inversement. On va donc définir la clé qui est créée en premier, qu'on appelle la clé privée, elle est créée aléatoirement. C'est-à-dire que vous demandez à l'ordinateur de générer un chiffre aléatoire, très très grand, et à partir de ce chiffre aléatoire, il va générer cette fameuse clé, qui est aussi un espèce de grand mot de passe, un énorme mot de passe que vous ne pourrez pas retenir. À partir de ce mot de passe, vous allez créer un autre mot de passe qu'on va appeler la clé publique. On verra pourquoi c'est privé et public. Et en fait, la particularité, c'est que si je chiffre une donnée, si j'encrypte une donnée, avec la clé bleue, je ne peux plus la lire qu'avec la clé rouge. Si je l'encrypte avec la clé rouge, je ne peux plus l'ouvrir qu'avec la clé bleue. Remplacer rouge par public et privé, selon le confort que vous avez. Et donc, c'est ça qui va être intéressant, c'est que je peux donner l'une de mes clés à Louis, que j'appellerai par définition la clé publique, puisque comme elle a été donnée à Louis, elle a été publique, elle n'est plus privée, elle appartient à plein de personnes, parce que je peux la donner à Louis à n'importe qui. Et en fait, si je ferme un message avec l'autre clé que j'ai gardée sur moi, Louis peut ouvrir ce message. Et il va savoir que c'est moi qui ai écrit ce message, puisque je lui ai communiqué l'autre clé qui va avec. Et donc, je lui fais la démonstration que j'ai l'autre clé. D'accord ? C'est comme si, par exemple, je ferme une porte et je dis « Louis, si tu arrives à ouvrir la porte, eh ben, tu sauras que c'est moi qui l'ai fermée. » Parce que justement, dans ce jeu magique, l'une des clés est ouverte par l'autre. Et donc, vous avez ici un petit schéma qui vous explique la chose. J'ai les deux clés, je communique la clé à quelqu'un d'autre. Je vais avoir un message. Je vais utiliser cette clé qu'on appelle la clé privée, que je ne communique jamais, que je ne dois jamais perdre. J'envoie le message sur Internet. Donc là, tout le monde peut lire le message, il n'y a aucun problème, ça ne pose pas de problème. Louis reçoit le message. Il peut donc l'ouvrir avec cette fameuse clé bleue et réaliser que c'est le même message que j'annonçais lui envoyer. Alors, cette manipulation-là qui est très simple, c'est ce qu'on appelle une signature électronique. Quand on fait une signature numérique, une signature électronique, une signature cryptographique, quand on signe une transaction, c'est-à-dire quand je dis « cette transaction vient de moi »,
ça consiste simplement à faire cela. Et donc, vous allez vous rendre compte qu'en fait, la clé rouge qui est là est extrêmement importante. Parce que si je perds cette clé rouge, n'importe qui peut faire la même chose que ce que je suis en train de faire. Cela veut dire prétendre être celui qui a envoyé la clé bleue. Et tout à l'heure, je vais t'interrompre. Vas-y. Je vais juste, Daniel, prendre un exemple avec les gens qui sont en face de moi. Ici, c'est une clé Ledger. Hein, c'est un moyen, c'est la clé de mon coffre-fort en quelque sorte, et dans lequel j'ai ma clé publique et ma clé privée. Ma clé publique est la preuve que j'ai ma clé privée. Je peux envoyer la preuve que j'ai ma clé privée par ma clé publique sans révéler ma clé privée. C'est pour ça qu'on parle de fonction asymétrique. C'est la symétrie de l'information. Je vais prouver que j'ai bien une clé privée. Celle-là, j'ai intérêt à la garder, hein, parce que c'est mon identité. Quelqu'un peut usurper mon identité s'il a ma clé privée. Et je vais donc, la symétrie de l'information, c'est que je peux donc envoyer un message qui dit j'ai bien cette clé privée, j'ai bien la preuve que j'ai cette clé privée, mais je vous la donne pas. Et donc, ma clé publique va prouver que j'ai bien ma clé privée, mais sans donner ma clé privée. C'est pour ça qu'on parle de fonction cryptographique asymétrique. C'est l'asymétrie de l'information. Tout à fait. Et il faut bien avoir conscience que on n'a pas attendu l'arrivée de Bitcoin et de la blockchain pour inventer ça. C'est exactement ça que vous utilisez quand vous avez l'HTTPS, quand vous écrivez effectivement votre code de carte bancaire sur un site web, et ben effectivement, les données sont chiffrées de manière asymétrique aussi. Ça veut dire qu'en fait, ces mécanismes-là qui permettent de faire des messages qui ne peuvent être ouverts par certaines personnes, et ben ces mécanismes-là existent dans la communication chiffrée de bout en bout sur Internet. Donc, ce que vous utilisez tous les jours pour pouvoir effectivement envoyer des choses secrètes sur Internet, comme par exemple vos coordonnées bancaires ou des choses comme ça. Donc, première chose du coup qu'il faut savoir, quand on hache un document de texte, on peut obtenir un truc qui ressemble à n'importe quoi, mais si on hache toujours la même chose, on obtient toujours le même texte, peu importe sur Terre, mais avec ce truc bizarre, impossible de deviner ce qu'on a haché, première règle à savoir, donc le hachage. Deuxième règle à savoir, on a un mécanisme de double clé, je crée une clé puis sa cousine, ou sa sœur jumelle, comme vous voulez. Si je ferme un message, si je chiffre un message en utilisant le premier mot de passe, je ne peux le décoder qu'avec le deuxième mot de passe et inversement aussi. D'accord ? Et donc, cette chose-là fait que si je tire de cette adresse bleue, de cette clé bleue, si je tire une adresse, eh bien effectivement, celui qui a la clé rouge là peut utiliser l'adresse ici. Et donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai parlé de parfaitement authentifier par adresse. Cela veut dire qu'on peut parfaitement authentifier celle ou celui qui a la clé privée. Donc, en fait, vous pouvez avoir autant de comptes que vous voulez sur Bitcoin, autant de comptes que vous voulez sur n'importe quelle blockchain. Il suffit d'avoir autant de clés privées que vous voulez. Et donc, comme la détention de cette clé privée est extrêmement importante, puisque celui qui l'a peut faire les transactions à votre place, eh bien, il a été estimé à juste titre qu'il est parfois trop dangereux de garder cette clé sur un ordinateur parce que cet ordinateur peut être piraté. Donc, du coup, on récupère dans la mémoire la clé privée. Et si on récupère la mémoire dans la clé privée, on peut faire des transactions à votre place. Si on peut faire des transactions à votre place, on peut vider votre compte Bitcoin à votre place. Et il a été décidé qu'effectivement, plusieurs technologies, dont Ledger, par exemple, qui est une entreprise française, propose un support hardware à côté, donc une petite clé USB très particulière dans lequel il y a la clé privée et qui ne peut pas être piratée puisqu'effectivement le système est beaucoup plus simple et a beaucoup moins de failles de sécurité qu'un ordinateur. Je ne dis pas que c'est infaillible puisque l'infaillibilité en informatique n'existe pas, mais on est clairement au-dessus d'un point de vue sécurité. En fait, comment on détermine cette clé privée? On n'a pas le choix, c'est pas nous qui la déterminons, oui. Parce qu'en fait, on sait très bien que l'humain a tendance à... Donc, on a une liste ici de 24 mots dans un certain ordre qui sont pris dans une liste de mots qui est dans le Bitcoin Improvement Protocol, le BIP39 de mémoire. C'est une liste de mots de 2000. Ouais, d'accord. Donc, c'est une liste de 2000 mots à peu près dans lequel 24 mots sont choisis au hasard pour nous dans un certain ordre. Et c'est ces mots-là dans un certain ordre qui sont hachés, ouais, avec le SHA 256. Et c'est ça qui nous donne notre clé privée. Tout à fait. Pour ça que la liste de mots, on ne va pas la prendre en photo. On ne va pas la stocker sur un ordinateur. Cette liste de mots, on va la mettre sur un papier en plusieurs exemplaires à
différents endroits sécurisés. Et c'est cette liste de mots qui aura été hachée qui va donner notre clé privée. Donc, c'est très important de faire attention à comment on fait. Mais là, ce qui est extraordinaire dans le fonctionnement, c'est qu'on a une très faible probabilité, j'en ai parlé tout à l'heure de la probabilité, de trouver la clé privée. Aujourd'hui, ça a été testé, retesté, retesté. Et aujourd'hui, on peut dire quand même que depuis le temps, s'il y avait des failles de sécurité, le donjon les aurait trouvées. Tout à fait. Alors, pourquoi en fait, il y a des pactoles qui sont merveilleux, puisque parmi les premières adresses de Satoshi Nakamoto, il y a des adresses qui ont des quantités phénoménales de Bitcoin, donc des milliards de milliards, un véritable pactole. Et donc, du coup, s'il était facile de trouver ces clés-là, je vous assure que ça aurait déjà été trouvé. Alors, la particularité, on fait un peu de mathématiques. Hein. Louis a dit qu'effectivement, il y a 24 mots. Il y a, en fait, pour être exact, effectivement, 2048 combinaisons. Hein. Donc, c'est un peu… Ouais, effectivement, ça vous entend 2000. Donc, 2048 combinaisons puissance 24, en mathématiques, ça veut dire beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup, 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 beaucoup de combinaisons. Ça veut dire qu'en fait, ce que propose Bitcoin et toutes les autres blockchains proposent la même chose, c'est de dire, voilà, il y a un espace de coffres possibles tiré au hasard tellement grand. En fait, il y a plus de coffres de Bitcoin que d'atomes dans l'univers. Donc, et vous dites, oui, mais si je prends une clé au hasard, je peux tomber sur celle de mon voisin. Bien sûr, c'est comme si on disait que Louis et moi, on va choisir deux atomes dans l'univers et on va tomber sur le même. Bah oui, c'est possible, mais à un moment donné, moi, je ne vis pas ma vie là-dessus. Donc voilà, c'est-à-dire que cryptographie… Et en fait, cette sécurité-là cryptographique, donc de dire, on peut tomber au hasard, pareil, mais c'est tellement improbable, bah c'est pareil pour le web. Quand vous passez par votre banque, quand vous passez par un site internet sécurisé, quand vous sécurisez vos emails, c'est les mêmes mécanismes qui existent. Il peut y avoir une faille, mais d'un sur un milliard, d'un milliard, d'un milliard, d'un milliard, et comme ça n'arrive jamais, c'est négligeable. D'accord ? Donc une fois que vous avez compris… On a une question, Daniel, et je vais y répondre. C'est une question, mais quelle est la différence entre le stockage à chaud et le stockage à froid ? En fait, c'est plus custodial ou non custodial. Votre clé privée… Chaud et froid, c'est exactement ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Voilà, c'est… Bon, vas-y, je te laisse terminer. Ça, c'est froid parce que c'est en fait, ça, en gros, cette clé n'est jamais sur Internet. C'est très bizarre. Elle est branchée sur mon ordinateur. En fait, c'est pour ça que je sors le fil qui est là, pour que vous voyez qu'il y a un fil. Elle est branchée sur mon ordinateur, mais elle n'est pas branchée sur Internet. C'est-à-dire qu'elle n'a pas accès à Internet. Quand une clé, ce qui est en mémoire, n'a jamais été connectée à Internet, donc jamais être piratable, la clé n'a jamais voyagé sur Internet, on dit que c'est froid. C'est-à-dire qu'effectivement, ça n'a jamais été chauffé par Internet. Par contre, si à un moment donné, c'est sur votre ordinateur, qui lui est connecté sur Internet, vous avez ce qu'on appelle une clé chaude. Ça veut dire qu'elle est sécurisée à condition naturellement que sur Internet, elle n'ait pas pu fuiter. D'accord ? Voilà. Ça veut dire que la clé ne peut pas… En fait, pour faire simple, la clé ne peut pas sortir de la clé privée ne peut pas sortir de la clé Ledger. C'est pour ça qu'en fait, c'est froid. Donc, il faut bien avoir distingué ces choses-là. Alors, un autre vocabulaire qui est souvent utilisé, c'est « hardware » et software, ça veut dire est-ce que c'est dans un hardware comme une Ledger ou dans un logiciel qui est dans ça, qu'on verra tout à l'heure. Je vous montrerai ce que c'est que des wallets chauds, d'accord, des wallets logiciels. Mais il faut faire attention parce que si vous avez un ordinateur qui a un logiciel wallet mais qui n'est jamais connecté sur Internet, en théorie, c'est comme une petite Ledger, enfin c'est comme une grosse Ledger. Donc c'est aussi une clé à froid, même si c'est sur un ordinateur. Donc voilà, on peut rentrer dans les choses confuses, mais globalement, ce qu'il faut connaître, c'est connecté à Internet, chaud. Déconnecté d'Internet, froid. Voilà. Et votre clé Ledger est déconnectée d'Internet. Elle n'est pas branchée à Internet. Elle est branchée à votre ordinateur, mais c'est différent. On va aller plus loin, d'accord ? On va aller un peu plus loin pour comprendre un peu la suite. Maintenant, pourquoi on parle de blockchain ? Ça, c'est quelque chose d'important. Depuis tout à l'heure, je vous ai parlé d'un registre. C'est-à-dire que je vous ai expliqué d'un registre. Et si vous remarquez bien, pour des raisons physiques assez simples, le registre est constitué de pages. C'est-à-dire qu'on a décidé que on a décidé à un moment donné, parce que c'était plus pratique, en tout cas chez les Occidentaux, parce que dans d'autres cultures, les registres prennent parfois de formes différentes, mais en tout cas, on a décidé que c'était des pages comme ça, qui suivaient les unes les autres, qui étaient reliées. C'est la manière qu'on a choisie. En fait, dans la blockchain, on a décidé la même chose. C'est-à-dire qu'on a décidé que le registre, ça n'allait pas être un parchemin infini, ça allait être constitué de pages. Donc, on va mettre nos transactions dans une page. Et à un moment donné, on va décider que c'est la fin de la page. Et on va dire, OK, on a suffisamment de transactions. Stop, on s'arrête. On vérifie que ces transactions sont valables par rapport à l'historique. C'est-à-dire qu'on vérifie que
quand machin a envoyé un bitcoin à bidule ou un demi-bitcoin, parce qu'un bitcoin est parfaitement fongible, hein, je peux le découper en tout petits morceaux que je veux. Donc, du coup, si je vais envoyer un demi-bitcoin à lui, parce que je suis un peu plus pauvre aujourd'hui, et ben on va vérifier dans tout l'historique du registre précédent que j'avais bien reçu cet équivalent de la part de quelqu'un, donc que j'avais bien cet argent-là, ce bitcoin-là. Et donc, je l'envoie à lui. Et donc, on va vérifier comme ça toutes les transactions. Alors, ce qu'on va vérifier aussi, c'est que l'écriture de la transaction a bien été signée par moi. Ça veut dire que j'ai bien utilisé ma clé rouge pour dire que c'était bien moi qui ai demandé à que moi j'envoie un demi-bitcoin à lui, de manière à que personne ne puisse écrire dans le registre à la place de quelqu'un d'autre. Ça, c'est indispensable. Mais depuis le temps que tu m'envoies des bitcoins, je ne les vois pas arriver. Ben, je sais, mais ça met du temps. Normalement, c'est 10 minutes maximum. Hein. Ben, je sais bien, mais… À moins que tu n'aies pas justement voulu payer la personne qui fait la transaction, qui valide aucun la transaction. Frais. Et là, aucun ça frais. Peut expliquer. Je suis très radin dans cette histoire. Et donc, du coup… ce qui va se passer, c'est qu'on va vérifier que les transactions sont valables, premièrement, donc d'un point de vue comptable, financier, si j'ose dire. On va vérifier que les signatures sont bonnes, ça veut dire que c'est bien, chaque fois qu'une transaction a été faite, elle a bien été signée avec le posséder de la clé équivalente, donc que personne n'a écrit à la place de quelqu'un d'autre. Et une fois que tout ceci est valable, on peut se dire, c'est valable, et donc on passe à la page suivante. Alors pour passer à la page suivante, on va créer effectivement des liens cryptographiques entre ces pages. Ça veut dire qu'on va hacher toutes les données des transactions. C'est-à-dire qu'on va prendre toutes les transactions, qui est un long texte, on va le hacher, on va obtenir donc un hachage. Et on va avoir l'eurodatage, une partie de l'entête de la page, dans laquelle il y aura la date de la page, et on va avoir le hash de la page précédente. C'est-à-dire que toute la page précédente a été hachée, et on a dit, ça, c'est le hash de la page précédente. Donc, ça veut dire qu'avec ça, on a l'ordre des pages. Ça veut dire cette page-là est bien la page suivante, puisque j'ai haché la page précédente. Je ne l'aurais pas pu faire, ce n'est pas la page avant. Et comme en fait, il est impossible de deviner le hash, à partir du hash, deviner l'autre truc, je suis obligé d'attendre que la page précédente soit terminée pour créer la suivante, puisque je dois avoir le hash de la page précédente. Alors, je vais faire un petit lien pour vous expliquer. On a ici une petite simulation. Alors, on va passer sur des blocs, par exemple. On a ici une page de blockchain. Qu'on appelle un bloc. C'est pour ça qu'on appelle ça une blockchain, parce que les blocs sont liés entre eux. Je pourrais mettre des transactions ici. Hein. Donc, par exemple, Daniel qui envoie un bitcoin à Louis. Alors, bien entendu, ce n'est pas du tout écrit comme ça. D'accord ? Et ce n'est pas Daniel et Louis. C'est une suite de 0 et de 1. C'est une suite de quelque chose qui ressemble à ça, qui correspond à des adresses. D'accord ? Mais imagine, pour simplifier, pour l'exemple, on va dire que c'est comme ça. Et imaginons que cette transaction soit valable. C'est-à-dire que dans mon compte, dans les pages précédentes, il y avait un bitcoin et que je pouvais l'envoyer à Louis. Et bien, effectivement, vous avez ici le hash de tout ce bazar et vous remarquez que ce hash a un certain nombre de zéros. Ça veut dire que pour que la page soit valable, dans Bitcoin, on va demander de faire une preuve de calcul. Ça veut dire que tout le monde peut dire rapidement que les transactions sont bonnes, comptablement et d'un point de vue cryptographique. Maintenant, il va se passer un truc. Il faut qu'une seule personne valide la page. Alors pourquoi une seule personne va valider la page? Parce que comme on l'a expliqué tout à l'heure, il faut récompenser celles et ceux qui font tourner ce système-là. Ça veut dire, comme c'est auto-entretenu, il faut que celles et ceux qui font tourner avec leur ordinateur plus ou moins industrialisé ce protocole-là, donc Bitcoin, soient récompensés de faire ce travail. Et donc, pour récompenser celles et ceux qui font ce travail-là, pour que le système soit auto-entretenu, eh ben on va dire que parmi toutes celles et ceux qui sont en train de valider les transactions, il y en a un qui va avoir le droit d'éditer la nouvelle page. Et en éditant cette nouvelle page, il va pouvoir automatiquement se créditer d'une certaine somme. Ça veut dire que dans la page, il va dire « je me crédite une certaine somme » qui est définie à l'avance, qu'on appelle le minage. La création monétaire se fait comme ça. Donc à chaque page, des bitcoins sont créés. Actuellement, 6 bitcoins et des poussières sont créés toutes les 10 minutes à celles et ceux qui ont validé les pages. Et donc à chaque fois, une page est validée, il se crédite de cette somme-là. D'accord ? Et maintenant, la question qui va se poser, c'est comment on tire au sort celui qui valide. Alors, pour tirer au sort celui qui valide, on va leur demander de faire un petit jeu. C'est-à-dire qu'on va leur demander de choisir un nonce, donc choisir une valeur au hasard, de manière à que toute la page plus cette valeur au hasard donne un hash très petit avec un certain nombre de zéros à l'avance. Donc, si je prends la page qui est ici, on remarque que si je mettais une valeur au hasard qui est de 1, le hash de tout ce bazar a une certaine valeur.
Eh bien, on va dire que le hash de toute la page n'est valable, c'est-à-dire que cette page-là n'est validée, que si ce hash est très petit, ça veut dire qu'il est suivi d'un certain nombre de zéros. Et on va dire qu'il faut qu'il y ait 4 zéros avant. Alors, je pourrais le faire comme ça à la main, on pourrait passer la soirée à le faire, c'est-à-dire qu'on fait 3, 4, 5, bah, toujours pas, hein, je continue, hein, on n'a pas de chance, hein, Louis. Hein. On continue comme ça. Non. Alors, un peu de chance, à un moment donné, on va peut-être avoir un truc qui commence par un zéro. Donc voilà, ça peut prendre beaucoup de temps. Hein. Je vais m'arrêter là parce que je vois que je n'arrive même pas à avoir un zéro. J'arrive même pas à. Ça y est. Ça y est, si je fais 23, j'ai un zéro. Mais il faut que j'en ai 4 de suite. Donc je vais devoir continuer jusqu'à en avoir 4 de suite. Si je fais miner, il va me dire qu'en fait, on aurait dû aller jusqu'à 2418 pour tomber sur ça, plus ça, plus ça, plus plein d'informations hachées avec la fonction de hachage, donne un truc avec un certain nombre de zéros. Et donc, en fait, comme il est impossible de prévoir quelle est la valeur au hasard, eh ben, en fait, les gens vont tirer plein de valeurs au hasard et il y en a un dans le tas, à un moment donné, qui va trouver la solution et il va être super content parce qu'il va gagner du Bitcoin qui va valider le bloc. Et si on vient, par exemple, sur cette simulation ici, que vous trouvez sur Internet sans aucun problème, eh ben, vous voyez qu'il y a plusieurs blocs. Alors, ils sont vides, il n'y a pas de transaction parce qu'on a le droit de valider un bloc vide. Et en fait, à chaque fois, on a le hash du bloc précédent. Donc là, il y a le hash de ce bloc-là, le précédent est ici. Là, il y a le hash de ce bloc-là, le précédent est ici. Et à chaque fois, il a fallu un nombre aléatoire différent, puisque le bloc ne contenait pas les mêmes informations, puisque le hash déjà du bloc précédent n'était pas pareil. Donc les informations ici ne sont pas les mêmes que là. Donc il faut toujours tirer un chiffre aléatoire à chaque fois. Et chaque transaction va encore rendre le truc plus aléatoire. Et donc, ce qui va donc se passer, c'est que… Oui. Voilà. Je vais faire un petit résumé pour ramener tout le monde avec nous. Donc, vous comprenez que le principe qu'on vient de vous expliquer, c'est que c'est une blockchain parce que c'est une suite de blocs. On a compris ici sur le schéma que à partir du moment où je mets l'identité, enfin le lien, un lien entre les deux blocs, puisque je vais hacher dans l'entête du suivant, je vais mettre les éléments du précédent. Donc, j'aurais fait deux choses, j'aurais horodaté. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est avant l'autre. Ça, c'est très important. J'aurai un lien qui est incorruptible entre les deux. Donc, c'est pour ça que j'ai cette chaîne. Et ensuite, j'ai des calculs qui ont montré depuis 12 ans leur force pour ne pas être hackés. On n'a pas réussi à montrer leur vulnérabilité depuis 12 ans. Et surtout, je fais appel à… vous avez vu, c'est du calcul brut, c'est de la force brute de calcul, parce qu'aujourd'hui, c'est pas 4-0 que je dois trouver, non, c'est beaucoup plus. Et donc, je fais appel à une force de calcul brute, et plus j'ai de gens qui sont en concurrence, plus en fait, j'ai de sécurité dans l'histoire. Donc, il faut bien comprendre que cette dépense énergétique, elle est strictement correspondante à la solidité et à la fiabilité du système. Donc, en fait, plus de gens sont en compétition, plus j'ai quand même des gens qui vont avoir du mal à trouver, cette solution. Et le Bitcoin est fait dès le départ avec des choses qui sont basiques. Le nombre de jetons, c'est-à-dire j'aurai 21 millions de Bitcoin, point final. Et plus j'avance dans le temps, plus il est difficile de trouver la solution au problème. Ça, c'est un premier point. Mais plus j'ai de gens en concurrence, plus la difficulté s'ajuste automatiquement. En fait, dans le code intrinsèque de Bitcoin, dans le code intrinsèque du code open source dans Bitcoin quand il a été créé, j'ai l'auto-ajustement de la difficulté. Pour ça, quand ça baisse et quand ça monte, eh ben, ça s'adapte automatiquement. Mais j'ai surtout un système qui fait que plus on avance dans le temps, plus c'est difficile. Et donc, je rémunère les gens qui m'aident à maintenir la chaîne en les payant par de l'émission monétaire, l'émission monétaire dont on sait qu'elle est limitée, dans l'absolu, 21 millions. On sait qu'elle est limitée puisque quand je valide un bloc, c'est 6,25 en ce moment en Bitcoin. Et aussi, il y a un deuxième moyen de rémunérer le mineur, c'est les informations que je mets dedans. C'est-à-dire que si je veux que l'information soit dans le bloc, il faut que je paye un petit peu. Tout à fait. Alors, c'est ça qui se définit l'économie. Ça veut dire que Bitcoin a sa propre économie. Et en fait, dans le réseau Bitcoin, pour utiliser ce réseau Bitcoin, c'est-à-dire pour émettre une transaction, comme l'a dit Louis, je dois payer cette transaction en Bitcoin. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas payer la transaction. Vous ne pouvez pas dire, voilà, j'envoie une transaction, je vais payer mes frais en Visa, je vais payer mes frais en euros, en dollars. Ce n'est pas possible. Si vous voulez payer la transaction en Bitcoin, vous la payez en Bitcoin parce que c'est la monnaie avec laquelle on récompense celles et ceux qui font tourner le système. Alors, et c'est pour ça que d'un point de vue cryptographique, c'est une crypto-monnaie.
pas parce que c'est une concurrence légale ou je ne sais quoi à une monnaie réelle, ça serait une autre discussion d'économiste, mais parce que dans ce système-là, il s'agit de la seule monnaie qui a cours légal, dans ce réseau-là, dans ce service-là, c'est la seule monnaie qui est utilisée pour rémunérer, pour payer, pour le faire fonctionner. Et donc ça, c'est un truc qui est important, c'est que si j'envoie des transactions, je dois payer des frais en Bitcoin. Comme l'a souligné tout à l'heure Louis, si je ne mets pas de frais, bah, en fait, ce qui va se passer, tout simplement, c'est que les mineurs ne vont pas prendre ma transaction, puisqu'ils ont le droit de choisir la transaction qu'ils mettent sur leur bloc, parce qu'ils gagnent les frais, si le bloc est validé. Et si à un moment donné, effectivement, un mineur valide la bloc, eh ben, il va donc recevoir un certain nombre de bitcoins. Voilà. Ces bitcoins-là sont décroissants, ça veut dire que chaque 4 ans environ, il y a un événement très important chez Bitcoin qui s'appelle le halving. C'est-à-dire qu'on va diviser par deux la création monétaire par bloc. D'accord? Ça veut dire au départ, il y a très 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 longtemps, les premiers blocs avaient 50 bitcoins par bloc. Donc c'était immense. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on validait un bitcoin, on avait 50 bitcoins. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins, effectivement, c'est 6,25. Et ça va comme ça diminuer au fur et à mesure du temps, jusqu'à un moment donné où créer un bloc ne rapportera pas de bitcoins supplémentaires. D'accord? Par contre, ce qui va se passer, c'est que il estime, enfin ceux qui ont créé le code estiment qu'à ce moment-là, les frais des transactions compenseront effectivement l'utilisation de Bitcoin. Alors je vais juste rapporter un point important. Il y a de moins en moins de Bitcoin à gagner, mais la difficulté s'adapte automatiquement. Plus il y a de mineurs, plus il faut de zéro pour valider un bloc, ce qu'on appelle l'adaptation de la difficulté. Mais ça veut dire aussi que moins il y a de mineurs, plus il est facile de le faire. Et donc ça, c'est un point qui est important parce qu'une des critiques qu'on fait souvent sur Bitcoin, c'est qu'il n'est pas, il va consommer de plus en plus. En fait, si Bitcoin consomme aujourd'hui de plus en plus, c'est simplement parce qu'il y a de plus en plus de mineurs. C'est pas parce qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs, c'est parce qu'il y a de plus en plus de mineurs. Si demain, en fait, il y a de moins en moins de mineurs, il va consommer de moins en moins et il ne demandera pas à consommer de plus en plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une espèce de fonction qui dit qu'il doit consommer de plus en plus. Il va consommer autant qu'on va lui demander de consommer. Plus il y aura de mineurs, plus il va consommer. Par contre, plus il va être difficile de trouver un bloc par hasard. Donc, il va être plus difficile d'être la même personne qui va valider plusieurs blocs avec éventuellement des fausses transactions dedans. D'accord? Et c'est ça qui assure la sécurité du réseau. C'est qu'on ne sait pas qui va valider le bloc à l'avance. Donc, du coup, on va partir du principe qu'effectivement, tout le monde va jouer le jeu. Alors, un point qui va être important, c'est qu'imaginons que je valide un bloc en mettant des mensonges dedans. Ça veut dire je décide que je mets des fausses transactions dans là-dedans. Et que je le valide et que j'impose aux autres ce bloc-là. La particularité, c'est que les autres mineurs vont refuser ce bloc-là. Mais imaginons que plusieurs mineurs se mettent d'accord pour valider ce bloc-là quand même. Eh bien, en fait, il faudrait que la majorité des mineurs soient d'accord avec ce mensonge-là, la majorité de la force de calcul soit d'accord avec ce mensonge-là, pour que ce mensonge devienne une vérité. Alors, c'est un peu philosophique, hein. Est-ce que si la majorité des gens sont d'accord sur un mensonge, que ce mensonge devient vérité? C'est très philosophique là-dessus. Mais en l'occurrence, c'est ça qui va se passer. Et donc, en fait, pour éviter absolument que ceci arrive, justement, on est sur des décentralisations, c'est-à-dire que n'importe qui peut participer à ce réseau-là. Et donc, du coup, effectivement, comme chacun a intérêt à qu'effectivement ce système continue à fonctionner, eh ben, en l'occurrence, ça n'arrivera pas. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si vous commencez à mentir des transactions, tout le monde voit que vous montez sur les transactions. Donc le cours du Bitcoin s'effondre, donc vous devenez le roi d'un monde qui s'effondre. Et c'est pour ça aussi que d'un certain point de vue, tout le monde a intérêt à jouer à ce jeu-là. C'est des vraies études de théorie des jeux qui expliquent qu'on a intérêt à jouer à ce jeu-là. Parce qu'effectivement, si on triche, soit on perd parce qu'on n'est pas suffisamment à tricher, mais si on est suffisamment à tricher, on a dépensé beaucoup d'énergie pour tout perdre. Parce que les bitcoins qu'on va gagner ne valent plus rien, parce que les gens se disent, on valide des fausses transactions, donc je ne crois plus dans le système, donc je revends mes bitcoins, le truc s'effondre. Donc c'est ça qui est important à souligner. Et je vais faire une très rapide petite pause, mais je veux juste vous dire qu'il y a une grande différence entre ce qu'on appelle les coins et ce qu'on appelle les tokens. Bitcoin est un coin, ça veut dire que c'est un jeton qui sert à l'économie d'une blockchain, sa propre blockchain qui s'appelle Bitcoin. Et on verra qu'il en existe plusieurs. Par contre, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que si vous allez vous intéresser aux cryptoactifs, vous allez vous rendre compte qu'il y en a des milliers et des milliers. Ça ne veut pas dire qu'il y a des milliers et des milliers de blockchains différentes avec leur économie propre. Ça veut dire aussi que depuis quelques années, on a inventé un système pour créer des tokens, donc des jetons, qui peuvent vivre dans d'autres blockchains. Et on verra par la suite dans quoi ça consiste, mais on va juste faire une petite pause de On va faire une 2 minutes. petite pause, oui.
Voilà. Et alors donc, Mais moi, tu peux ça parler me pendant ce permet de temps-là. faire un... Oui, voilà, ça me permet de faire un résumé d'où on vient. Voilà. Donc, on a commencé par un peu d'histoire. Donc, un peu d'histoire, c'est Satoshi Nakamoto, Tu reviens après? qui est une personne ou un groupe de personnes qui, en Vas-y, au pire, je reviens 2008, dans un contexte après. un peu Ouais. particulier, et Donc, tu dans un passes. contexte un petit peu particulier, décide de répondre à une problématique d'échange d'informations. Il y a deux problématiques auxquelles il essaie de répondre. Il dit, voilà, les banques centrales sont en train d'inonder le monde de liquidités. Donc ça, c'est une première problématique, donc, avec une perte de la valeur de l'argent. Et puis, de l'autre côté, des géants qui commencent à arriver sur Internet, et Internet qui devait être un monde décentralisé devient un monde centralisé. Et je dis, comment sur ce monde décentralisé où on aimait à s'échanger des informations auxquelles on tenait, et plus que des informations peut-être de la valeur, eh bien comment je peux faire pour pouvoir échanger cette information sans double dépense et sans un tiers de confiance? Donc l'idée de Satoshi Nakamoto, je dis entre guillemets, puisque on sait très bien qu'il ne s'appelle pas comme ça, en cas de cette personne ou ce groupe de personnes, c'est d'adresser ce problème d'échange, enfin, d'abord de créer quelque chose de stable par rapport à la multiplication monétaire, et de l'autre côté, adresser le problème d'échange de valeur sans tiers de confiance et sans double dépense. Donc ça, c'est l'origine. Et dès le départ, on est sur un code open source, c'est-à-dire qu'on est sur un, on écrit des lignes de code qui résolvent le problème en utilisant des techniques qui existaient, des techniques mathématiques. Quand on a vu le hachage, c'est une technique qui existe. Depuis Donc, longtemps. ce qui est le génie en fait de ce groupe ou de cette personne, c'est d'avoir, c'est un peu, il a réinventé la roue, mais dans le domaine de la finance. C'est vraiment quelque chose d'efficient, de très efficient et de très simple, et en même temps de très complexe. Tout à fait. Donc là, il y a quelque chose qui est quand même bluffant. C'est-à-dire, plus on rentre dedans, d'ailleurs, à force de rentrer dedans, ben, on dit quelquefois des bêtises, et puis on travaille un peu plus et on en dit un peu moins. Tout à l'heure, j'en ai dit une petite, c'est vrai, effectivement, on n'a pas une hausse de la difficulté avec le temps, on a une baisse de la rémunération. C'est ça. C'est Bon, ce qui revient à peu près au même, hein, disons les choses clairement. voilà. Voilà. Mais du coup, on a un système qui est assez bluffant. Ça fait 12 ans qu'il existe, ça fait 12 ans qu'il est solide, ça fait 12 ans que des gens commence à lui adresser de plus en plus de valeur sous deux effets. D'abord parce que ça représente un niveau de sécurité que les banquiers aimeraient avoir et qu'ils ne pourront même pas avoir en rêve, une puissance de calcul que Google aimerait avoir et n'a même pas en rêve, et en même temps un effondrement de la valeur du dollar ou de l'euro ou des monnaies. Je rappelle qu'en 1971, un dollar, 20 dollars vous permettait d'avoir une pièce en or de 20 dollars et qu'aujourd'hui cette pièce en or, elle vaut 1700 dollars. Donc, si vous voulez, la valeur de la monnaie a énormément chuté. Et donc, Bitcoin augmente de deux manières. D'une part, parce que de plus en plus de personnes se rendent compte qu'il y a quelque chose d'intelligent et quelque chose d'intéressant. Ça permet d'échanger. Ben, vous pouvez échanger de la valeur, vous pouvez échanger de la valeur immédiatement, moins de 10 minutes, avec des frais extrêmement réduits. Et de l'autre côté, un certain nombre de personnes se rendent compte que la monnaie fiat, la monnaie qu'on utilise tous les jours, perd de la valeur. Donc, c'est ça aussi qui amène une valorisation du Bitcoin. Alors, beaucoup de gens arrivent, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas que des gens qui investissent à long terme. Et donc, il y a des variations du cours par rapport au fait que c'est un actif qui est en quantité limitée. Et donc, comme il y a de plus en plus de gens qui veulent aller sur un actif en quantité limitée, eh bien, il est évident qu'il peut y avoir des variations de cours à la hausse comme à la baisse. Mais si vous prenez un point bas de l'ensemble de la courbe de Bitcoin, ben vous arrivez à 164% de croissance annuelle sur la durée. Tout à fait. Voilà. Alors, on n'est pas là pour parler de valeur. On a promis qu'on ferait de la technique ce soir. On essaie de pas trop vous abreuver de technique. Je sais qu'il y en a un peu qui décrochent, mais en tout cas, il me semble que ce webinaire est aussi fait pour être technique, pour être repris, pour être revisionné, parce que dedans, vous avez les clés de compréhension des crypto-monnaies. Pas forcément en une seule fois lors de ce webinaire, mais en pouvant le reprendre. C'est-à-dire, vous y assistez, vous l'écoutez une première fois, vous revenez sur un passage et vous allez le reprendre parce qu'on veut aborder ces questions techniques, de bien aborder ce que c'est que le hachage, de bien aborder ce que c'est que les clés privées et les clés publiques, tout un tas de notions qui peuvent vous paraître un peu dures au départ, sur une première écoute, mais qui, peut-être quand vous l'aurez écouté deux ou trois fois, vous y revenir, vous permettront de progresser parce que c'est important de comprendre cet écosystème et ce fonctionnement-là.
Tout à fait. Et entendez bien que ce qu'on en prend là, enfin, si maintenant vous devez réexpliquer Internet, vous arriverez à l'expliquer avec beaucoup de technicité aussi sans vous en rendre compte. Donc c'est simplement une habitude. Globalement, ce qui va être important, c'est aussi quand on va vous parler d'enjeux, on va vous parler de discussions sur effectivement les cryptoactifs, le fait de savoir qu'effectivement, il faut faire une preuve de calcul pour valider que plus il y a des gens sur ce réseau-là, plus il est résistant. Et ces choses-là vous font comprendre la valeur ajoutée effectivement du Bitcoin. Alors par exemple, pour moi, le Bitcoin ressemble plus à de l'or numérique. Pourquoi? Parce qu'il correspond à des réflexes de l'or numérique. Ça veut dire que plus on est nombreux à le chercher, moins les mineurs en ont chacun parce que bah, effectivement, on se partage le magot. Plus on cherche de l'or, bah, plus les gisements accessibles deviennent difficiles et longs, donc moins on a d'or à chaque fois qu'on en trouve. Et il y a beaucoup d'efforts pour obtenir là-dessus. La seule différence très notable et très forte entre le Bitcoin et l'or, c'est que l'or a une convention sociale. Tout le monde est d'accord pour dire que l'or a de la valeur, peu importe les cultures, et que l'or est matériel alors que le Bitcoin ne l'est pas. Le Bitcoin existe par son écriture comptable dans ce registre, alors que l'or, on peut le toucher, d'accord? Et effectivement, comme je vous l'ai expliqué dès le départ, c'est beaucoup plus simple pour la majorité des êtres humains de comprendre ce qu'on peut toucher que de comprendre ce qu'on ne peut pas toucher. D'accord? Les abstractions sont toujours plus compliquées. Alors maintenant, on va aller un peu plus loin. On parle de Bitcoin, effectivement, et ce qui définit Bitcoin, ce qu'on appelle la preuve de travail. C'est à la fois sa force et à la fois le plus grand reproche qu'on lui fait. C'est sa force parce qu'effectivement, ça le rend extrêmement robuste. Cela veut dire que, il faudrait être énormément puissant en force de calcul, et comme je vous dis, c'est au-delà de Google, c'est au-delà de beaucoup d'États, pour pouvoir concurrencer le réseau. Et une fois qu'on concurrence ce réseau, il serait stupide de ne pas continuer à utiliser ce réseau et donc de mentir sur ce réseau-là, puisque du coup on devient le roi d'un monde. Donc autant rentabiliser et donc de rester le roi du Bitcoin, c'est-à-dire que ce n'est pas dérangeant, c'est-à-dire que même si quelqu'un arrive à faire plus de la moitié des blocs, ça veut dire que du coup il pourrait mentir, il n'a pas intérêt à mentir, il a intérêt justement à gagner le maximum. Donc ça c'est un point important, et il n'est possible que par le principe de la force de travail. Il existe d'autres consensus qui sont beaucoup moins énergivores, dans lesquels on ne demande pas une force de travail. Où on demande par exemple des retours sur investissement. Ça veut dire que on a ce qu'on appelle des stackers, donc ce n'est plus des mineurs, ce qu'on appelle des stackers. Et donc du coup, cela veut dire que pour être un nœud validateur, ça pourrait être une machine qui a le droit de valider des blocs, donc de dire que ce bloc fonctionne bien, on peut passer au suivant. Eh bien, il faut juste posséder le coin du réseau en question. Si par exemple, on donne l'exemple d'Ethereum, enfin pas d'Ethereum, mais de Tezos. Qui est une autre blockchain qui existe, qui a beaucoup de nœuds français d'ailleurs, dont d'ailleurs EDF. EDF est un nœud validateur de Tezos pour l'occurrence, enfin une des filiales d'EDF. Et ben pour valider les blocs, il ne faut pas faire de fort de travail, il faut posséder le coin Tezos avec un certain volume. Et on devient ce qu'on appelle un backer. On ne va pas rentrer dans les détails, mais globalement, plus vous avez de cette valeur-là, plus vous avez des chances de valider un bloc, puisqu'une sorte de tirage au hasard est fait, plus vous avez deux coins, plus vous avez de chances de valider des blocs. Et bien sûr, en validant des blocs, vous regagnez des coins. Donc, on a une notion de retour sur investissement. Cela veut dire que c'est le retour d'enjeu, c'est la preuve d'enjeu. Cela veut dire que tu deviens validateur du réseau parce que par la possession et l'immobilisation de ces coins-là, tu démontres ton attachement à ce réseau et ton engagement financier à ce réseau-là. Là, je vais reprendre la parole entre Bitcoin et le reste. Donc, nous avons vu dans Bitcoin qu'il y a besoin d'une force de travail importante, puisqu'on a des gens qui sont en compétition pour aller valider un bloc, être les premiers à trouver le hash qui commence par le maximum de zéro. Bon, donc, cette compétition, c'est une force de travail brute, et donc, c'est ce qu'on appelle la proof of work, donc la preuve de travail. Et ça, c'est Bitcoin. Aujourd'hui, il y a une deuxième blockchain, la deuxième blockchain la plus connue au monde, qui s'appelle Ethereum, qui est en preuve de travail et qui va passer cette année en preuve d'enjeu. Alors, pour vous donner la preuve d'enjeu, c'est très simple. On vous demande d'acheter des jetons de la blockchain. Et quand vous avez acheté des jetons de cette blockchain, eh bien, un certain nombre, on vous estime donc engagé ou avoir mis de l'enjeu dans cette Tout à fait. blockchain. Et à ce moment-là, c'est là où, comme vous avez cette preuve d'avoir empilé les jetons, d'avoir assez de jetons, vous pouvez valider une transaction. Et effectivement, comme l'a expliqué Daniel, c'est une question de tirage au sort. Et plus j'ai de tickets de loterie, plus je risque
de valider une transaction, sachant qu'on a un bloc sur Ethereum qui est toutes les 15 secondes de mémoire, si je ne dis pas de bêtises. À peu près dans cet ordre-là, c'est plus variable que Bitcoin. Et Tezos, je ne sais plus exactement tous les combien c'est, mais par exemple, ce sont des systèmes où, à partir du moment où j'ai mis ma peau dans le jeu, j'ai mis de l'enjeu, c'est-à-dire j'ai mis de l'argent dessus, eh bien, j'ai la possibilité de prendre des frais de transaction. Ça va être la différence, ça va être une grande différence, et parce qu'il va rester Bitcoin majoritairement en preuve de travail et tout le reste en preuve d'enjeu. Et moi, je vais vous donner mon sentiment. Quand nos clients nous demandent des conseils pour investir dans la crypto-monnaie, eh bien, on va leur quand même leur dire, écoutez, achetez des bitcoins déjà, on pourra aussi diversifier, mais il y a une base, une sécurité, une histoire, une solidité qui est chez Bitcoin, et celle-là, aujourd'hui, elle est prouvée. Ethereum a eu quelques soucis, mais globalement, tant qu'ils étaient en preuve de travail, il y a eu une certaine sécurité. Sur les autres systèmes de preuve d'enjeu, beaucoup d'écosystèmes ont connu des failles. Alors certains, ils en ont connu à répétition, donc ils ne sont même plus là. Mais en tout cas, il y a quand même une petite interrogation qu'on peut avoir. Il y a des performances bien supérieures et il y a des outils bien supérieurs avec la preuve d'enjeu. Et je viens de faire une formation là-dessus. Mais quand même, il faut avoir cette analyse en te disant, il y a Bitcoin ou la preuve de travail et le reste. Voilà. Et effectivement, c'est ce qu'on appelle les algorithmes de consensus, c'est-à-dire que la manière avec laquelle on se décide qui a le droit de valider les blocs, est-ce qu'il faut faire du calcul, est-ce qu'il faut montrer, il faut mettre des skin in the game, c'est-à-dire mettre effectivement de sa peau dans le jeu, c'est une vraie question. Un des consensus, c'est de se dire que c'est machin, machin et bidule qui valident. C'est ce qu'on appelle la proof d'autorité, c'est-à-dire qu'il y a trois nœuds qui ont le droit de valider, et puis c'est bon. C'est-à-dire qu'il y a plein d'algorithmes de consensus qui existent. Donc, pour celles et ceux qui s'intéressent, vous avez ce qu'on appelle le Blockchain Consensus Encyclopédie qui répertorie tous les algorithmes différents sur très nombreuses blockchains qui expliquent comment les gens se mettent d'accord. Le protocole le plus connu est effectivement celui de Bitcoin, qui est la preuve de travail qu'on a vu ensemble. On tire au hasard des chiffres jusqu'à tomber sur un certain nombre de zéros. Impossible de prévoir qui va tomber dessus. Par contre, plus je tire vite des chiffres au hasard, plus il y a de chances que je valide un bloc. Donc, plus il y a de chances que j'en gagne, et ainsi de suite. Alors, on va aller maintenant un tout petit peu plus loin. On va parler un peu de la philosophie du libre. Parce qu'en fait, il s'agit d'un retour aux origines d'Internet. Comme l'avait expliqué tout à l'heure Louis, il y a un truc qui est très particulier avec Internet, c'est que quand Internet s'est mis en place, il avait ouvert la possibilité que n'importe qui puisse faire un site web, n'importe qui puisse envoyer un mail, que n'importe qui puisse héberger un forum. C'est-à-dire que techniquement, vous pouvez tout faire vous-même. Vous pouvez avoir vos propres mails, vous pouvez avoir votre propre site web sur votre ordinateur, vous pouvez tout faire. Dans la réalité de ce qui s'est passé, on a tous notre messagerie sur une grande messagerie ou l'une des grandes messageries connues. On héberge tous nos sites web sur des très grands hébergeurs web. On ne les héberge plus chez nous. Ça veut dire qu'on délègue l'usage de ce qu'on peut faire sur Internet à des professionnels qui font ça mieux que nous. Mais on pouvait le faire nous-mêmes. La particularité, effectivement, de ce qu'on appelle la blockchain, c'est de dire quand on va déposer quand on va utiliser la blockchain, ce n'est pas une grande entreprise qui le gère. C'est toutes celles et ceux qui participent à ce réseau, donc des entreprises, des particuliers comme Louis, d'autres personnes, et que par conséquent, en fait, on ne dépend pas d'une grande entreprise, d'un tiers de confiance. D'un autre point, le principe de l'Internet, c'est que les protocoles qui lui permettent de le faire fonctionner sont open source et libres. Ça veut dire qu'on peut complètement comprendre comment ils fonctionnent. Donc, c'est pareil, les blockchains, on comprend parfaitement comment ils fonctionnent. Il n'y a pas de vice caché. C'est public dans le consensus. C'est-à-dire que n'importe qui, sauf certaines blockchains particulières, peuvent devenir validateur, donc participer, donc devenir banquier validateur de ce système-là. Liberté d'usage, n'importe qui peut l'utiliser. Il n'y a pas de, pour utiliser une blockchain, il n'y a pas d'autorisation nécessaire pour l'utiliser. Il n'y a pas d'enregistrement de son identité, ce qui souvent pose problème d'ailleurs. C'est en amélioration continue, puisque le code est visible. Dès qu'on voit des erreurs ou des améliorations possibles, la plupart du temps, on peut les proposer. Et si la majorité des gens qui utilisent ce réseau-là voient dans l'amélioration quelque chose de bénéfique, eh ben, ils l'adaptent. C'est extrêmement démocratique dans sa gouvernance par les utilisateurs. Ça veut dire que si la majorité des gens utilisent le code qui a été amélioré, eh ben, effectivement, tout le monde a intérêt à utiliser ce code-là. D'accord ? Personne n'impose le code à quelqu'un d'autre. Il y a peut-être des gens qui ont une influence et qui vont dire ce code-là est meilleur, mais c'est quand même les utilisateurs qui décident. Faire mieux de ce qui était avant, c'est-à-dire qu'on peut faire mieux que ce qu'on pouvait faire sans la blockchain. Et l'importance de la blockchain,
C'est comme beaucoup de technologies qui touchent à la donnée, on peut surtout faire ce qui n'était pas possible de faire avant. Ce que vous dit Louis de « j'envoyais un mail, j'avais une copie chez moi et lui recevait le mail », si j'envoie un Bitcoin à Louis, je ne l'ai plus. Ça, informatiquement sur Internet, on ne savait pas le faire sans avoir une entreprise qui dit « c'est comme ça ». Sans avoir ce qu'on appelle un tiers de confiance. C'est-à-dire que la seule manière qu'on a trouvé, c'est quelqu'un qui est arbitre et qui surveille le fait que si j'envoie 100 euros à Louis, c'est déduit de mon compte. Donc, ce n'est pas moi qui tiens le compte. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est arbitre de ça. Là, on a effectivement… Alors, c'est une particularité assez amusante, c'est quand on dit que les blockchains n'ont pas de tiers de confiance. Dans la réalité, elles ont des milliers de tiers de confiance. Cela veut dire que c'est tout un écosystème de tiers de confiance qui ont tout intérêt à dire la vérité et personne ne veut prendre le dessus décisionnellement sur un autre. Donc, inévitablement, puisqu'on peut faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, peut-être que cette technologie va remplacer les intermédiaires. Pas tous, mais certains métiers vont peut-être devoir s'adapter parce qu'effectivement, leur raison d'être consistait à faire quelque chose qui peut être remplacé par ces technologies-là. Comme il y a des métiers qui ont été métamorphosés avec l'arrivée d'Internet et d'électricité. Ce n'est pas pour autant un drame. Ce n'est pas des gens qui sont morts de faim. Ils ont juste transformé leur métier. Je vais rebondir là-dessus avec un exemple des jetons de gouvernance. Quand il y a un certain nombre d'écosystèmes sont nés basés sur Ethereum ou pas très loin d'Ethereum, et donc ce sont des nouvelles blockchains qui ont adressé un problème particulier. Et par exemple, il y a une chose qui est assez intéressante, c'est que je peux déposer des crypto-monnaies sur une plateforme et en déposant ces crypto-monnaies, je vais faire un emprunt. Je fais ce qu'on appelle un prêt lombard. J'ai un bitcoin qui vaut 40 000 ou j'ai 10 Ethers. 10 Ethers, ça vaut aujourd'hui 30 000 euros et je vais pouvoir emprunter, en même temps que je dépose ces Ethers, je vais pouvoir emprunter 75%, 80%, 90% de la somme pour aller soit faire des effets de levier, soit je n'ai pas envie de vendre mes Ethers parce que j'ai envie de les garder à long terme et donc je fais un prêt et je peux soit les dépenser, soit les mettre dans un autre jeton. Dans tous ces écosystèmes, de plus en plus, vous avez ce qu'on appelle des tokens de gouvernance, des jetons de gouvernance. Donc, en fait, vous devenez en quelque sorte administrateur de la blockchain. C'est-à-dire qu'il y a des améliorations, des votes qui sont faits et vous pouvez voter. Et vous-même, en plus d'être utilisateur, voire acteur, donc je dis utilisateur, j'utilise la blockchain pour faire un prêt, je peux être acteur parce que je sais pas, je mets de la liquidité à disposition des gens qui veulent faire des échanges, eh bien, j'ai un jeton de gouvernance, donc je deviens, je suis membre du conseil d'administration et je vote les décisions de gouvernance. Oui, c'est quand même assez extraordinaire dans le lien que l'on a entre on fait des choses qu'on ne faisait pas avant, parce qu'on a cette capacité de le faire, et cet écosystème qui vous permet d'aller emprunter, bien, c'est un écosystème qui est vous n'avez pas besoin de faire confiance à quelqu'un, donc c'est ce qu'on appelle le système en anglais de trustlessness, c'est absence de confiance, et puis permissionless, j'ai personne qui me dit non, tu ne peux pas emprunter. Si j'apporte des cryptos, eh bien, je peux emprunter. Donc, je n'ai pas besoin de demander la permission à quelqu'un. Donc, on a quelque chose qui ouvre de nouveaux horizons, et voilà, et qui est dans le code, et qui ouvre de nouveaux horizons, et qui en plus me laisse la possibilité d'être vraiment acteur de l'écosystème. C'est des choses qu'on n'imaginait pas auparavant. Tout à fait. Et en fait, on vous parle très souvent de Web 3. Enfin, si vous êtes arrivé un peu dans le milieu, on parle souvent de Web 3 parce qu'effectivement, il y avait le Web 1, le Web 2, le Web 3. Le Web 1, on sait tout ce que c'est si on a un certain attache, c'était les pages Internet statiques qu'on ne pouvait pas modifier. Il n'y avait pas de forum, il n'y avait pas de manière de le modifier. Dès qu'on a pu s'authentifier, login, mot de passe, arrivent les réseaux sociaux où on apporte du contenu. Si vous regardez bien, la majorité du Web, ce n'est pas du contenu qui est apporté par l'entreprise qui crée la plateforme, mais par les gens qui utilisent cette plateforme. Si vous allez sur LinkedIn, le contenu n'est pas créé par LinkedIn, il est créé par vous et moi. Si vous allez sur YouTube, les vidéos ne sont pas créées par YouTube, à part peut-être quelques-unes, mais la majorité sont créées par des utilisateurs et des passionnés, qui sont peut-être même payés pour ça. Et donc, en l'occurrence, l'arrivée du Web 3 consiste à dire que tout le monde peut voir, tout le monde peut écrire, par contre, tout le monde peut posséder. C'est-à-dire que vous pouvez posséder vos données. Et ça, ce qui va être intéressant, c'est que je vous parlerai un peu tout à l'heure de ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire posséder une donnée, parce que ce n'est pas quelque chose d'évident. On n'a pas conscience qu'on peut posséder une donnée. Alors, je vais vous parler des smart contrats. Et donc, inévitablement, je vais dévier un tout petit peu de Bitcoin quelques minutes, parce que Bitcoin a d'énormes avantages, mais parce qu'il y avait d'autres besoins, il y a d'autres blockchains qui ont été créés pour proposer d'autres solutions.
Ce qui est par exemple le cas de la technologie d'Ethereum, la technologie de Solana, la technologie de Tezos que j'ai cité tout à l'heure, la technologie de Cardano qui commence à le faire timidement, c'est de pouvoir créer des contrats intelligents, des smart contrats, une sorte de contrat automatique. Quand on regarde un... Oui. Très didactique et concis, parce qu'on a plein de questions, donc là-dessus, on va la faire très rapidement. Quel est le principe du contrat? C'est que quand vous avez un contrat peut être remplacé par un code informatique. Il peut dire, voilà, si telle personne a déposé telle somme et qu'on a passé le 11 juillet et que je ne sais pas quoi, l'argent est envoyé à d'autres personnes. D'accord? On peut imaginer plein de types de contrats qui peuvent être informatisés, c'est-à-dire qu'on peut les écrire. À partir du moment où on peut les écrire, on peut écrire ce code-là dans la blockchain. Cela veut dire qu'au lieu d'écrire une transaction qui dit j'envoie tant à tant, certaines blockchains acceptent de recevoir un code informatique. Ce code informatique est vérifié pour s'assurer qu'il est compilable, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'il est exécutable. Et s'il est exécutable, il est laissé à jamais dans la blockchain. Ça veut dire qu'on peut mettre de l'argent dans ce contrat-là, interagir avec ce contrat-là, et donc proposer d'innombrables services qui sont ce qu'on appelle la finance centralisée, ce qu'a expliqué lui tout à l'heure, donc la possibilité de déposer par exemple du Bitcoin, de pouvoir emprunter avec, parce que dans le contrat, il est marqué que c'est possible. Il y a plein de mécanismes, effectivement, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il faut bien que vous compreniez que ce sont des usages. Et tous ces usages-là qui utilisent ce qu'on appelle des contrats sont ce qu'on appelle du Web3. Et donc, il y en a des dizaines. Si on va par exemple sur State of Dapps, on a un nombre d'applications, donc ce sont des sites web qui utilisent la blockchain pour enregistrer leurs données, pour agir, pour avoir les règles d'utilisation, ben on a plusieurs milliers, on a actuellement 3000 sites web qui proposent des applications. Si on prend par exemple OpenSea, qui est une des plus grandes marketplaces de NFT, ben voilà, c'est quand même une entreprise qui a brassé ces 7 derniers jours ben 1 milliard de dollars. C'est un site web qui brasse 1 milliard de dollars en échange de NFT par semaine. Donc, c'est pas un site de geek rigolo. Donc on a comme ça d'innombrables plateformes qu'on utilise parce que justement on peut utiliser de la crypto pour l'utiliser et on peut avoir des services qu'on ne peut pas avoir de manière traditionnelle. On va aller un peu plus loin pour voir deux, trois petites choses. Donc ça on va l'enlever pour effectivement. J'ai combien de temps encore, Louis? Je pense qu'on va avoir une dizaine de minutes encore et puis après on passera sur les questions. Je vais prendre un exemple simple, un exemple qui va parler à beaucoup de monde. Je ne sais pas si vous savez, mais quand vous voulez acheter une action, eh bien, vous avez souvent un carnet d'ordre. C'est-à-dire vous avez d'un côté les acheteurs et de l'autre côté les vendeurs. Et puis, ben, quand vous voulez passer tout de suite, vous dites, ben, j'achète l'action au prix du marché. Ça, moi, je l'achète. Et si jamais vous voulez l'acheter à un certain prix, ben, vous positionnez dans le carnet d'ordre et vous passez ou pas. Eh bien, les contrats intelligents permettent de faire des choses assez intéressantes. Vous avez des gens donc, qui ont une crypto-monnaie, imaginons Ether, et ils veulent aller sur une nouvelle blockchain. Comment je peux avoir le jeton de cette nouvelle blockchain? Il faut bien que j'échange quelque chose. Il faut bien que j'échange mon Ether sur le jeton. Et donc, à ce moment-là, on va avoir besoin d'un contrat intelligent qui s'appelle un faiseur de marché automatique. Je ne vous le dis pas en anglais, hein, mais un AMM qui va donc automatiquement dire... Eh bien, si j'ai Pierre qui apporte 50% d'Ether et 50% de la nouvelle crypto, ça va permettre à Jacques, à Gérard et ainsi de suite d'aller échanger de l'Ether dans la nouvelle. Sauf que celui qui a amené 50-50, qui a mis de l'argent pour avoir autant de l'un qu'autant de l'autre, il faut le rémunérer. Donc, on va le rémunérer en lui donnant des frais de transaction. Donc, en fait, j'amène de la liquidité, je suis rémunéré comme si j'étais un banquier. Tout à fait. Et c'est ça le point important, c'est qu'on prend les deux rôles à la fois, en fait. Voilà. Et ça, c'est la première étape. Et puis, ben, cette blockchain qui était une nouvelle blockchain, elle a envie qu'on lui mette de l'argent dessus, on a envie de l'utiliser. Donc, elle va, comme elle a levé des fonds, elle va sponsoriser, elle va incentiver les gens qui vont déposer des fonds pour qu'on puisse faire l'échange entre l'une et l'autre. Et c'est à ce moment-là qu'on va voir apparaître des rendements qui, au début, sont faramineux parce que plus vous allez sur une monnaie jeune, plus le risque est important, puisqu'on ne sait pas si cette blockchain, ce nouvel écosystème va être solide, mais du coup, vous prenez du risque. Donc, il faut que le risque soit rémunéré. Donc, c'est pour ça qu'on voit des rendements faramineux. Et au fur et à mesure que cet écosystème devient solide, devient de plus en plus adapté, et bien à ce moment-là, le rendement vient baisser. Mais quand vous assurez de la liquidité pour un nouvel écosystème, vous avez des rendements énormes, mais quand vous assurez de la liquidité de manière régulière, bien, vous pouvez avoir des rendements annuels de 20-30%. Tout à fait. Parce que vous prenez de l'argent d'abord
sur les transactions qui se font. Vous prenez des frais de transaction. Parce que quand on va de l'Ether vers cette nouvelle monnaie ou de la nouvelle monnaie vers l'Ether, eh bien, il y a des frais qui s'appliquent, petits. Mais comme il y a d'énormes volumes, eh bien, vous récupérez, puisque quelquefois, vos fonds, ils vont servir 45 fois dans la journée. Oui. Et donc, à force d'avoir 45 fois les frais de transaction dans la journée, eh bien, ça vous fait un rendement. C'est ça. Alors, et ce que tu as décrit, alors, il a des termes un peu barbares, ce qu'on appelle les pools de liquidité, hein, les liquidity pools. Alors, c'est vrai que du coup, comme ça, ça peut faire un peu abstrait. Donc, je vais vous montrer un peu quelques applications qui existent effectivement. Donc là, on a par exemple MyFinance, qui est un fonds qui contient actuellement 210 millions de dollars, d'accord, dont 100 millions dans un réseau qui s'appelle Polygon. Alors, comme vous avez pu remarquer, ici, nous avons des réseaux. Tous ces réseaux-là, aucun de ces réseaux-là n'est en proof of work, parce qu'effectivement, ces réseaux-là, quand je dis des réseaux, sont des blockchains à part, d'accord, ont pour objectif de pouvoir faire tourner des smart contrats rapidement. Donc, on ne peut pas perdre de temps à faire des calculs, si j'ose dire, mais ce n'est pas leur but. Leur but n'est pas d'être sécurisé à 100%, leur but, c'est de faire tourner ces programmes-là. Si, par exemple, on prend le réseau Polygon, je pourrais utiliser ma Ledger, mais je vais par exemple utiliser ce qu'on appelle un MetaMask, ce qu'on appelle un hot wallet, parce qu'effectivement, elle est connectée sur Internet et c'est un logiciel. C'est une extension que vous avez sur votre navigateur. Et si vous remarquez, j'ai plein de petites extensions comme ça différentes. Ça, c'est pour Solana, ça, c'est pour Tezos, ça, c'est pour Polkadot, là, c'est pour Cardano, là, c'est pour Terra, Luna. Donc, on a effectivement un petit wallet qui me permet de m'identifier. Et donc ici, c'est l'adresse que j'ai. Alors, si on remarque bien, effectivement, j'ai une adresse qui commence par 46,6 et qui finit par 61,50. C'est une suite de chiffres et de lettres, d'accord? Et c'est l'adresse que j'utilise actuellement là-dessus. Alors du coup, si par exemple, je rentre ici, il y a un truc qui est important, c'est qu'on ne peut pas être en négatif sur la blockchain. Vous ne pouvez pas être à découvert. C'est-à-dire que le registre vous empêche de dépenser un token ou une crypto que vous n'avez pas. On ne peut pas être à découvert, hein, ce n'est pas possible. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est faire des prêts. Alors, comment ça se fait qu'on peut faire des emprunts alors qu'on ne peut pas être à découvert? On est obligé de proposer un collatéral, comme l'expliquait lui tout à l'heure. Donc, on peut créer ce qu'on appelle des vaults. Alors, en l'occurrence, c'est quelque chose qui est assez intéressant. C'est que, par exemple, je peux acheter l'une de ces crypto kits ici, dans les crypto actifs, comme par exemple le Curve, et j'ai le droit d'emprunter jusqu'à actuellement disponible 151 000 MAI. MAI qui est un stablecoin, on expliquera tout à l'heure rapidement ce que c'est, en déposant cette valeur-là. C'est-à-dire que si je dépose cette valeur-là, le protocole accepte de créer un token qui s'appelle un MAI, qui est un stablecoin, ça veut dire que sa valeur est indexée sur un dollar. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est de se dire, OK, si je dépose du Curve, donc c'est une blockchain comme une crypto comme une autre, je reçois le collatéral qui n'est jamais autant cher que l'emprunt qui n'est jamais aussi cher que le collatéral. Qu'est-ce qui se passe si le collatéral que j'ai déposé baisse en valeur? Si c'est le curve en fait s'écroule au niveau de sa valeur jusqu'à valoir moins cher que ce que j'ai emprunté. Et ben en fait il y a des mécanismes automatiques qu'on appelle de liquidation, c'est-à-dire qu'on va vendre votre curve, c'est un peu comme les subprimes, c'est-à-dire qu'on va vendre votre maison parce qu'elle vaut moins cher que ce que vous avez emprunté, et donc du coup on va avec ça, pouvoir rembourser le système. Et vous allez pouvoir garder ce que vous avez emprunté. On vous rendra la monnaie si jamais on a récupéré plus que ce que vous aviez emprunté. Et donc, en l'occurrence, c'est simplement avec quelques clics. Alors, on n'a pas forcément le temps de le faire maintenant. Mais si on prenait 3-4 minutes, je pourrais ici emprunter 5-6 mailles, donc l'équivalent de dollars, en déposant du cave en collatéral. Ce mail-là, je peux le mettre en pool de liquidité avec une autre blockchain pour dire effectivement qu'on peut faire des échanges. On peut tout faire ça. Tu es en train de nous perdre. Voilà. Tu es en train de nous perdre. Alors, juste, on va terminer techniquement. On va passer aux questions, du coup. On va terminer techniquement avant de passer aux questions. Quelle est la différence qu'il y a entre Bitcoin et Ethereum et ainsi de suite et ce que tu as appelé un stablecoin? Allez, ça va être le dernier point que tu vas aborder. Après, on va passer aux questions. Alors, en quoi consiste un stablecoin? Il s'agit d'un token. Donc, ce n'est pas un coin, hein, c'est un token qui est censé valoir la même valeur. Comment? Tu peux le montrer sur CoinGecko, par exemple? Si tu montres sur CoinGecko, on va tout de suite voir la courbe. Tout à fait, Mathieu. Bonne idée. Hop. Alors, sur CoinGecko, vous avez différents coins, notamment Bitcoin et Ether, qui effectivement sont des coins. Et vous avez l'un des plus connus qui est Ether. Et si vous regardez bien, effectivement, la valeur de Tether, bah, on est très très, enfin voilà, on oscille un tout petit peu, donc on peut avoir parfois des tout petits pics de 1 centime, on peut descendre un peu en dessous, mais on est aux alentours de 1 dollar.
Et actuellement, il y a, alors je ne sais pas combien est Tether, il y a une capitalisation boursière de 78 millions. C'est-à-dire qu'il y a 78 millions, enfin milliards, pardon, Non, milliard. milliards de Tether. Alors pourquoi, comment on arrive à faire en sorte que ce stablecoin vale 1 dollar? C'est-à-dire comment ça se fait qu'il n'est pas sujet à volatilité? Tu veux l'expliquer, Donc, Louis? un stablecoin, ça représente un stablecoin. Donc, on a dit 1 dollar, ça existe en euros, ça existe en yens, en francs suisses, dans beaucoup de monnaies, pas toutes, mais beaucoup de monnaies. Et c'est un jeton qui représente 1 dollar ou 1 euro ou un sterlin ou un franc suisse ou ainsi de suite. Et après, on peut rentrer, mais on ne va peut-être pas rentrer parce que il y a différentes manières En fait, d'assurer. elles sont extrêmement simples, il n'y en a que deux, hein. Vraiment des reconnues, il n'y en a que deux. La première, c'est que quelqu'un est garant de le rembourser. C'est-à-dire, si moi je suis une entreprise et je dis, vous me donnez 1 dollar, je vous donne un de ces tokens-là, et si vous me ramenez un de ces tokens, je vous redonne 1 dollar. Donc c'est de la collatéralisation. C'est-à-dire quelqu'un en fait qui fait ce changement de l'un à l'autre, c'est bah, en fait ce qu'on appelle un stablecoin centralisé. C'est le cas par exemple de Tether. Une entreprise s'occupe de ça. Pour l'USDC, c'est crypto.com qui s'occupe de ça. Donc il y a les entreprises qui font ça, qui échangent du fiat contre ces tokens-là, et l'inverse aussi. L'autre façon, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que le MAI est un stablecoin qui a été créé pour la simple et bonne raison qu'on a mis en séquestre, qu'on a mis en réserve, qu'on a mis en garantie d'autres cryptos. Tout simplement. Les deux méthodes existent, algorithmiques, comme pour le MAI, et centralisées avec une entreprise qui fait ces échanges-là. Et par ces Donc, en fait, mécanismes-là, on peut avoir ce qu'on appelle des stablecoins, c'est-à-dire des cryptos qui valent 1 dollar à chaque fois. voilà, et on utilise, enfin, c'est une stratégie, ça sera pour, c'est pas le jour aujourd'hui pour expliquer toutes les stratégies, mais imaginons une chose toute simple, le Bitcoin est monté à 60 000 dollars, 70 000 dollars, on s'est dit, oula, ça a bien monté, j'aimerais prendre une partie de mes bénéfices. Eh bien, je mets une partie de mes bénéfices sur un jeton stable. Fiscalement, ça a un avantage, c'est que je ne paye pas de plus-value, puisque en France, quand je vais de jeton à jeton, je ne paye pas de plus-value. Et puis, un jour, je me dis, bon, ben là, ça a bien baissé, je vais remettre mes jetons sur Bitcoin, et donc je vends mes stables et je mets sur Bitcoin. Vous avez pu remarquer que là, je viens de faire un changement de Bitcoin à un stable, ou un stable à Bitcoin. Donc, ça veut dire qu'il faut que quelqu'un en fasse, il faut que quelqu'un assure la liquidité. D'où les fameuses personnes qui assuraient la liquidité pour que je puisse changer de l'un à l'autre. Voilà pour ça. Écoute, on a quelques questions. On va terminer par quelques questions tout assez simples. On a une question sur l'interdiction. Voilà, on va faire 5 minutes de questions et comme ça, on aura fait un webinaire d'une heure et demie. On a une petite question et à mon avis, ça va être peut-être la première et une des dernières sur justement l'interdiction, puisque plusieurs personnes nous ont posé cette question. Est-ce qu'on ne pourrait pas interdire les crypto-monnaies ou interdire Bitcoin? Alors, c'est une vraie bonne question. En fait, il y a des États, il y a des pays, effectivement, où l'usage des crypto-monnaies est interdit à la population. D'accord? Un État peut interdire aux citoyens d'utiliser une crypto-monnaie, comme il peut interdire d'utiliser Internet, comme il peut interdire de boire de l'eau gazeuse. Voilà, un pays est souverain, il a le droit d'appliquer les lois qu'il veut. C'est la même question qu'on a sur interdire Internet. Enfin, est-ce qu'on peut interdire un réseau de tournée? Bah, en théorie, non, puisque c'est des réseaux mondiaux. Donc il y aura probablement toujours des pays ou des endroits ou des plateformes pétrolières où on peut faire tourner ce réseau-là et qui ont accès à Internet. Ça veut dire que si on veut interdire un réseau blockchain comme Bitcoin ou n'importe lequel, il faudrait que tous les pays du monde se mettent d'accord pour l'interdire et que tous les pays du monde se mettent d'accord pour sanctionner d'un point de vue juridique, les utilisateurs identifiés de crypto. Bien sûr que c'est parfaitement possible. On peut avoir un pays qui, on peut, comment on peut avoir un pays qui interdit l'alcool partout sur, enfin, on peut avoir l'interdiction de l'alcool partout dans le monde, l'interdiction de fumer, enfin, voilà, c'est des choses possibles. Après, il n'y a pas une entreprise qu'on peut fermer en envoyant le FBI ou en envoyant la CIA ou en envoyant Interpol. Il n'y a pas d'entreprise qu'on peut fermer pour bloquer une blockchain. C'est-à-dire que les réseaux, comme on l'a expliqué, sont open source ouverts. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ferme tous les gens, il faudrait qu'on arrête tous ceux qui font tourner des machines qui peuvent avoir des millions, et ces gens ne sont pas forcément déclarés. Donc, les grands entrepôts de minage sont déclarés,
Mais comme on l'a expliqué, Louis vient de dire effectivement qu'il fait tourner un nœud, mais il y a peut-être plein de gens qui font tourner un nœud de manière anonyme, enfin simplement parce qu'ils ont téléchargé le logiciel, ils ont appuyé sur play. Et donc, tant qu'il y a quelqu'un sur Terre qui a ce truc-là, enfin, ou quelques personnes sur Terre qui ont un ordinateur qui tourne avec ça, ben, le réseau continue à tourner. Donc, la question est, oui, dans l'absolu, un pays peut interdire, mais c'est peut-être la chose la plus difficile à interdire. Interdire aux gens d'utiliser un logiciel sur un ordinateur partout sur Terre, c'est très compliqué. Il y en a qui ont essayé. On a un exemple quand même avec la Chine qui en est à sa quatrième interdiction de Bitcoin. Habituellement, une interdiction fonctionne. Si ça fonctionne, bah, une fois on l'interdit, c'est fait. Donc, quand on a la quatrième interdiction, on peut se poser des questions sur l'efficacité de l'interdiction. Mais ce sont des questions qu'on se pose. Et puis aussi sur les contrats intelligents, les smart contracts sont des contrats qui, parfois, quand ils sont abandonnés par leur créateur ou que leurs créateurs ont du mal à les développer, eh bien, on a vu pas mal de communautés qui étaient capables de se former autour de soit de plateformes, soit d'écosystèmes, soit de smart contracts pour les faire vivre. Donc, en fait, il faudrait qu'on ait une interdiction ou une coupure d'Internet au niveau mondial pour que ça tombe. Et Compliqué. aujourd'hui, quand même, beaucoup d'acteurs de Bitcoin se posent la question, comment je pourrais faire tourner Bitcoin si jamais j'avais pas d'Internet? Mais moi, par exemple, quand je ne suis pas connecté sur le réseau, tu peux m'envoyer des bitcoins, hein, n'hésite pas. Même si je ne suis pas connecté, sur Internet, et je vais les recevoir quand je vais constater que je les ai reçus, Ouais. quand je me serai connecté. Mais je n'ai pas Comme un forcément email, besoin. hein. Voilà. Voilà. Bon, Daniel, merci beaucoup. En tout cas, on a emmené, à mon avis, au maximum de nos possibilités, les gens qui nous suivaient, soit en physique, soit sur Internet. Merci beaucoup à vous tous d'avoir été présents ce soir. Ce que l'on va faire, c'est que dans le lien pour le replay, on vous enverra pas que le replay, on va vous envoyer la liste des sites sur lesquels vous pouvez faire vos petits exercices, exercices de hachage, exercices de minage, et ainsi de suite, pour que vous puissiez avoir un véritable outil pédagogique pour pouvoir vous entraîner et progresser dans votre connaissance des écosystèmes. Merci beaucoup, Daniel. Je me lève parce que je te vois plutôt Merci là-haut. à toi, Louis. À vous tous. Et donc, on va se revoir en février avec Gonzague Granval, qui nous parlera de 12 ans dans la blockchain, de Bitcoin au NFT. Ce sera l'occasion de parler un peu plus de NFT. À très bientôt, en tout À très cas. bientôt et bonne soirée à Bonsoir à tous. tous.